Ça, c'est fédéral, votre affaire, vous autres. Oui. C'est l'Office national du film. Oui, oui, oui. On va faire. Le gérant de la Penmen avec quelqu'un du bureau chef, je ne me souviens pas les noms, ils sont venus me le dire dans l'avant-midi qu'ils avaient l'intention, que la décision était prise de fermer la manufacture de la Penmen. Et puis, là, je leur ai demandé, j'ai dit, vous n'êtes pas sérieux? Ils ont dit, on est bien sérieux. On est obligé de fermer. Là, je leur ai demandé de me prouver pourquoi ils voulaient fermer. Alors, ils m'ont montré des chiffres qui arrivaient en déficit avec la ligne de sous-vêtements, des gilets qu'ils faisaient. Et puis, après avoir constaté moi-même leur déficit, je lui ai dit, que voulez-vous? C'est vous autres qui connaissez votre affaire.
Réunis dans le même département tous les employés. Et il nous a annoncé ça tout bonnement de même. Après qu'il ait fini de parler, le monde applaudit. On n'a pas dit rien sur le coup, on a resté trop bête, on s'en attendait pas de ce jour. Il dit en haut, gérant, il dit en haut, il dit les hommes sont là, ils veulent te voir. Tout le chef de nuit, moi, mis dehors, puis les quatre gars, on a monté en haut. Il n'avait pas grand chose à vouloir dire. Il demandait si on avait des questions à demander. On a demandé une question, nous autres. Pourquoi ça paye, tu parles? On n'a pas eu de réponse. Là, quelquefois, on entend parler, puis oh, c'était pour s'arrêter, ça, mais pour moi, on avait pris ça comme une routine, hein, on s'arrête à pas ça, mais quand ils nous ont, les grands bottes, ils ont c'est ça, là. Là, c'était vrai, là. Et j'avais mis un coup de masse dans l'estomac, ça aurait pas été pire. Je le descends de ma place au troisième. Je sais pas, il y en a un qui est venu me trouver, là. Je ne vois pas de parler, pleurant, chaud de larmes. J'arrive, ils sont venus pour 10 jours. Je n'ai pas de me décider. Je n'ai pas d'acceptation. Dans l'espace de quelques minutes, je me suis rendu compte tout que cela venait me réservait. J'étais rien comme ça. J'avais 46 ans fait. De retomber encore à zéro après avoir tiré le diable par la queue. Là. J'ai acheté cette maison-là il y a 3 ans, ici. Puis, j'ai encore 5 enfants à mes charges. Quand on tombe dans une manufacture, qu'on n'a pas de seniorité, là. Et il faut prendre que ce que les autres veulent pas avoir, hein. De 90 cents, une pièce de l'heure, je ne sais pas même si je peux avoir une pièce de l'heure. 40 pièces par semaine, d'avoir 6 à la table, là. Et l'hiver, l'été, on peut toujours manger, mais l'hiver, là, je t'assure qu'on vit mince. Je sais, à quoi tu coupes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de job que je peux voir, que je peux faire pour être capable de faire vivre ma famille. Puis déménager. Pour que, je sais pas comment, si c'est ta maison que j'ai là, si tu as voir ça, je l'ai rapporté. Si le monde se met à s'en aller, ça fait plus le temps des ventes. Puis les louer peut-être encore moins, vu que c'est un peu... C'est pas dans le centre de la ville, hein. Ça fait que je te dis que ça a fait bien des affaires à penser. Puis j'y pense encore, puis je ne sais pas quel bord que je me prends. Là, ils m'ont dit, le centre de main-d'œuvre, là, qu'il était pour faire une grosse affaire pour essayer de me placer. En Ontario, je ne suis pas prêt à me décider de m'en aller. Mais il ne marche pas le point, moi, là. Une fois rendu là, je suis. Ça ennuie trop, ça va être difficile de s'en revenir. On n'a pas d'argent. Tourner à l'arrêt des planchers, je vous dis que c'est pas un job qui... D'ailleurs, il faut en faire travailler quasiment jour et nuit pour être capable de s'arracher. C'est bien dur à part de ça. Non, j'y ai aussi. Et puis... Les petites chocs qu'il y a, là... Ça ne rapporte pas assez pour être capable. C'est correct qu'une femme qui a inquiète à penser. Mais 40 heures par semaine la vie. Et l'autre qui sont aussi sur l'endroit de la table, elle va pas faire d'arriver avec ça. C'est quand même qu'on fera des pressions, puis il y aura des rumeurs que ça ne ferme pas. Sa femme s'est décidée. Il a dit de bien croire ce qu'il dit, que c'est vrai. Tu veux déménager, tu es où? Tu as bien le droit de déménager.
Il ne faut pas se faire de pression là-dessus. Son livre de fait ce qu'ils veulent, son père aussi. C'est décidé depuis 2 ans, ça. Il n'y a rien à faire. Parce que je me souviens, moi, il y avait une usine qui fermait dans un comté. Et puis, même le premier ministre est intervenu pour essayer de leur faire changer d'idée. Ils n'ont pas changé d'idée. Après tout, c'est leur capitaux, ça. Ils ont le droit d'aller les faire fructifier là où ils veulent. On a toujours été un petit peuple, toujours eu des grosses familles, puis tout le monde était intéressé, les enfants. Il y a quelques années, les enfants de 12 ans, 13 ans ont travaillé dans le textile. Vous avez dû entendre parler vos grands-pères que, il y a 30 ans, 40 ans, on s'expatriait aux États-Unis, puis ils faisaient travailler les enfants de 9 ans. Les familles au complet travaillaient dans le textile. Alors, l'industrie du textile, ça a été peut-être la première industrie manufacturière importante du Québec. Elle est apparue ici vers la fin du 19e siècle. Elle a coïncidé avec le démarrage de l'économie canadienne. Pourquoi on a eu des fileries, pourquoi on a eu des moulins de textile au Québec? Ben, c'est parce qu'ici, on trouvait une main-d'œuvre abondante. Et à ce moment-là, comme d'ailleurs encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, les textiles, c'est un produit qui absorbe beaucoup de main-d'œuvre. Un acte d'accusation a été porté au mois d'octobre 1947 par le procureur général de Sa Majesté le Roi, Georges VI, pour la province de Québec. Dame Vladimir alias Valdimar Bjarnason, née Madeleine Parent, R. Kent Rowley, Asilus Bocage, tous trois de la cité de Montréal, ont ensemble et avec d'autres personnes à être ultérieurement identifiées, formé une conspiration séditieuse et y ont participé par des propos, des gestes, des actes ou autrement avec l'intention de troubler la sécurité de l'État, de créer du mécontentement, de la désaffection et de la haine à l'encontre de l'ordre public ainsi que des lois et institutions établies, de promouvoir la discorde et l'inimitié entre différentes classes ou sujets de Sa Majesté, mettant en danger la paix, l'ordre et la sécurité publique. Les personnes surnommées commettent par là l'offense de conspiration séditieuse prévue aux articles 133 et 134 du Code criminel. Signé Maurice L. Duplessis, procureur général de la province de Québec. En 36-37, les syndicats catholiques avaient fait l'organisation, puis il y avait eu la grève dans les usines de textile coton en 37. C'était pas une grève en réalité, ça. Cette grève-là, c'était une retraite, plus ni moins. On allait piqueter aux barrières et tout se faisait au sous-sol de la cathédrale de Belleville. On s'en allait là, ensuite. Le cardinal du temps, c'était moi, c'était le cardinal Villeneuve. Le cardinal du temps avait demandé un règlement, pour que ça en vienne à une entente. Il fallait qu'il y ait une entente parce que ça faisait déjà assez longtemps, puis il fallait que les gens travaillent. Je ne suis pas prêt à dire que le cardinal, les Anglais, ceux qui travaillaient au moulin de coton, ils nous disaient carrément, votre cardinal, il s'est vendu. Il s'est vendu, il a conseillé aux gens d'entrer, puis vous êtes visé de rien. On n'a rien gagné. Alors lui, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais les autres n'étaient pas des catholiques. Nous autres, comme catholiques, on n'est pas prêts à dire que le cardinal serait vendu. Non, ça, vendu, ça ne rentre pas dans l'idée, mais seulement, il s'est fait rouler. Ça, on va dire ça, il s'est fait rouler. Il était de bonne foi. Mon arrangeur de métier, c'était le vieux Sidney Anderson, c'était un écossais, là, qui sauta, par une grève, perdu mon argent, perdu toute ma... endetté jusqu'aux oreilles, il dit pas ça. Cardinal-là, il s'est vendu comme une vache. Vois-tu dans 37, la manière que Duplessis avait dit à Monseigneur, au cardinal, si je vais régler, d'abord je m'en viens avec mon salaire raisonnable. Moi. Faites entrer vos gens, m'en viens moi avec mon salaire raisonnable. C'était la loi, là. Oui, il s'en venait avec ça, ça s'en venait, ça. C'était oui. Prochain. Je m'en viens avec la loi du salaire raisonnable, alors
Il n'y a pas de problème. Il fallait qu'il l'aide. Il fallait que ça passe. Mais le malheur qu'il y a, c'est que quand il a passé sa loi du salaire raisonnable, ben, c'est à 2 cents en bas de nous autres. Heureusement que la compagnie n'a pas consenti à prendre son salaire raisonnable. Si elle avait pris son salaire raisonnable, on se faisait couper de 2 cents. Dans le premier temps, on commençait là, mais on était correct. On était comme les gars qui travaillent là. Hein? Ça fait le nombre d'années, on commençait à faire toujours comme ça. Ça toujours partait à tout fêter. Et en fin de compte, ça avait vu que ça s'est engravé. Ça. On était capable de souffler. Moi, je calcule que j'aurais pris 15 ans. Oui. Ben. C'est moins pire, quand on est jeune, hein? C'est moins pire. Hein? Et moi, je calcule 15 ans. Surtout des dernières années qui ont posé l'air conditionné. Ça doit faire de ça 11 ans qu'on va poser ça. Avant que je sorte, mais là, ça fait 3 ans que je suis sorti, ça fait 14 ans. Mais quand ils ont posé l'air conditionné, on a attrapé un gros fou là et tout. La poussière était plus basse. Hein? Là, on m'achappe 6 pieds d'épaisseur. De hauteur, là, quand le soleil paraissait d'un vite, parce que l'autre bord, là, on voyait une belle barre, là. Ça, c'est de la poussière, là. D'en bas, c'était clair, clair. J'ai dit, moi, à monsieur, il est mort, là, c'était un boss nouveau qui avait envoyé ici, monsieur, quand je vais le dire, je pourrais pas le dire, là, un bon boss, ça venait de dire, parle-moi une chose, parce qu'on va ensuite, il avait envoyé ici. Puis, on parlait de différentes affaires. Puis, il dit, tiens, il dit, tu es capable de me prouver que c'est ça, là. Il dit, il n'a pas tant que ça, poussière, ça. Monsieur Mathieu. Vous avez vu M. Mathieu dans le moulin, pour savoir qu'il y a de la poussière. Oui, mais il n'y a pas tant que ça. C'est correct. L'autre bord, c'est la textile du canal, de l'autre bord, là, il y a des châssis, là. J'ai ôté une vitre, moi, là. Puis carreau de vitre. La nuit, j'ai ôté ma vitre. Dans le jour, avant le soir à minuit, je mettais la vitre. Puis une bonne fois, j'étais avec M. Mathieu, j'ai dit, de longtemps que vous me dites, vous avez des preuves, là, qu'il y a de la poussière ici. J'ai dit oui, il dit comment venir, j'ai dit oui. Je l'ai emmené là, rien que l'air là, l'air ça tire là-bas. Je l'ai vu David qui a cassé sa couverture là, il y a quasiment un pouce de poussière là, la grandeur de ma vitre. J'ai montré, mais il m'a dit. J'ai été super, il m'a montré. Il a mis-tu de la poussière? Il dit comment ça fait de penser à ça? Alors il dit bâtin, mais tu vas aller au déchasser, puis on l'a vu sortir la poussière. Il m'a retenu une vitre, il m'a montré. Il a dit, mais toi. Il savait pareil comme nous autres, il savait pareil comme nous autres. En dernier, moi, il faisait comme 4-5 ans que je descendais en taxi, soit je suis pas loin. Pas tant d'avoir rien en haut, je m'en mets en taxi, soit. Ah, mais nous, c'est pas grave, c'est fin. En sortant, du moment qu'on prend une fraise dehors, là, on dit pas mettre. Il descendait en taxi. Oui, 4 ans sortant. Rendu ici, il n'avait pas une demi-heure, une heure, à quoi tu as-tu parler. La bouche. À minute sur la bouche, même une soirée, 4-5 heures du matin, c'est pas le cas de dormir encore. Coucher avec des oreillers dans le lit. C'est bien qu'il y a bien des maladies qui sont pires que ça, mais ça n'est une bonne. Là. Il y a Joseph Fanado, Albert Henry. Alors, malgré la fièvre, je sais pas s'il était bien mort, je sais pas lui. Il était pas fort, il a déjà sorti. Je pense pas que c'est un grand malgré la fièvre. Victor Morissette.
Il y avait votre pasteur. Voilà, ça, il est mort. Tous les gars qui ont travaillé plusieurs années, là, ils ont tout ça. Il n'y en a pas un qui n'a pas ça. Quand ils m'ont transféré, dans les offices, le concierge, là, M. Bégin, on l'appelle M. Bégin, c'est notre frère. À toutes les soirs, dans la semaine, des fois, il passe à l'ombre, comment ça va, Lucien? Il va se faire son office, la suite des communes, tout ça, tu sais. Pas trop bien. Il me forçait. Une bonne fois, il descend en bas. Puis ça, quand on t'a pris de main, on a dit que ça devait manger qu'il nous fatiguait, tu sais. Parce qu'on est tout fait, hein. Puis j'ai demandé un coup de sel de fruits à l'office en bas, au frontière même de la lettre. Il m'a donné un coup. Puis il avait donné du mot, je sais pas s'il a remarqué quelque chose, je l'ai fait, quelque chose. Et quand j'ai pris mon sel, j'ai monté en l'air, je me suis assis, puis j'avais tout fait, hein. Ben, il y a du mot arrivé, j'étais exprès. Frontièrement. Là, ils m'ont pris, ils m'ont descendu, moi j'ai le docteur. Là, j'étais trois jours sans rentrer. Je rentrais jeudi soir, puis M. Bégin, il dit, t'étais malade, chien? Il dit, oui. Comment ça va, là? Il dit, ça va pas trop pire. Il dit, prends ça, prends ton temps. Il dit, ça pas grand chose. Il dit, bien qu'il n'est pas été à soi. Le restant de la semaine, jeudi, vendredi, je fais tant que ça. Le lundi, il vient me trouver, du chien, il dit, comment ça va? Au pire, je ne sais pas comment travailler en gros. Il dit, pas tant long. Il dit, t'es plus capable. Je lui ai dit, c'est vrai. Là, je suis en vie. J'ai pas tout de même. Ils ont payé mon syndicat dans le temps. Ils ont payé ma revue dans le temps. En question, ils ne m'ont pas donné de pension. C'est comme ils disent, ils n'ont pas le droit. Parce que je suis trop jeune. C'est ça qui est ça, monsieur. Si l'accompagnant arrivera, là, et qu'elle a dit qu'elle s'est arrivée, elle lui a tiré la balle à la poussière, là. Quand moi, travaillant, on va lui donner, mettons... Son dossier était blanc. On va lui donner, mettons, une affaire... Ça ne manque pas gros, moi, je dis ça comme ça, là, 30-35 heures par semaine. C'est nous autres qui l'a rendu malade. Il aurait dû mettre une noix que... Ça ne m'aura pas ôté ma maladie. Tu crois que c'est pas bien drôle? Des communistes, on nous traitait d'avoir toutes sortes d'aberrations personnelles extraordinaires. Moi, j'en ai eu une indigestion pendant 4 jours, une fois à Valifi, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas manger, tellement ça m'avait fait quelque chose, mais après ça, on s'habitue. Vous avez accusé de quoi, là? De... comment est-ce qu'on appelle ça? Le sodomisme? Ah, la sodomie. La sodomie. J'avais 25 ans, puis ça m'avait tellement écœuré. J'étais là-bas en pension. Hein. Alors, il y en a eu de toutes les sortes. C'était encore le même problème. On avait peur parce qu'on avait perdu dans le passé.
Il y a des gens qui avaient perdu leur emploi. On avait peur de la puissance de la compagnie et de son sens anti-syndical. Mais on prenait courage tout de même avec beaucoup d'efforts. Les gens s'influençaient les uns les autres, se donnaient courage. Et on se groupait. Et puis, ça finit par faire un syndicat. On nous arrêtait pour obstruer le passage libre des gens au moment de piquetage ou de démonstration quelconque. Et en plus de ça, ils recueillaient tous les renseignements qu'ils pouvaient sur les militants dans l'organisation pour transmettre ces renseignements aux compagnies. Cette escouade de la police municipale travaillait avec les compagnies. Par exemple, la compagnie Dominion Textile avait des camions qui étaient protégés de toiles, de ferments, enfin de tout, où, dans lesquels ils allaient chercher des gens dans leur maison pour les emmener travailler. Et ils étaient escortés en avant et en arrière par la police municipale. Et quand vous approchiez comme piqueteur de ces camions, il y avait des gardes costumés sur le haut des camions avec de grandes chaînes qui jouaient de ces chaînes sur les piqueteurs. Et les camions passaient dans la cour de l'usine. Et on emmenait les scabs travailler comme ça. Et on pourchassait les piqueteurs, soit avec la police à cheval ou les polices en motocyclette ou à pied, dans toutes les rues du quartier. Et il y avait un tas d'arrestations. Il y avait cette autre propagande de la compagnie selon laquelle elle disait qu'elle allait fermer les usines et en ouvrir ailleurs, pour essayer de faire croire aux gens de Québec que l'industrie du textile disparaîtrait d'ici s'ils revendiquaient trop. Blair Gordon avait déclaré lui-même qu'il démolirait ses usines de la province de Québec plutôt que de consentir à signer une convention collective. Ça, c'était avant la grève de 1946. Seulement, la convention collective s'est signée et puis les usines sont restées. Mais c'était une manière de menacer que les capitaux s'en aillent ailleurs. Et la première convention collective à Valleyfield a été signée en novembre 1946. Seulement, ils nous ont sortis une fois, en 1944, avec l'aide de Mgr Léger, qui était auxiliaire de l'évêque à ce temps-là. Monsieur le cardinal. On avait gagné de haute lutte, celle-là. On avait gagné le bout de tout, puis on avait un contrat. Les gens étaient contents. On avait, cette fois-là, un contrat. Des gens même qui venaient pour la première fois à nos assemblées se levaient spontanément. Hein. Moi, j'ai ça, puis il n'y avait pas peur. J'ai ça, puis c'est ça. J'ai ça, puis j'ai ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis là, on a discuté à son grief, puis on n'a pas perdu de grief. Non, on pas est gros. On est gagné, puis on... Mais on avait un contrat. On avait un contrat, quelque chose qui était solide. On avait une sécurité. On avait une sécurité. Et puis, si vous me croyez, si vous avez des doutes, formez-vous là. Ben, même actuellement. Actuellement, ça fait 20 ans de ça. Vous voyez les vieux. Parlez d'eux autres. Ils vont dire, ah, eux autres, oui. Eux autres, on était défendus. Ça a été le bon temps. Maintenant... Le comité de reclassement est créé en général à brève échéance. À ces brèves échéances, il suffit que le syndicat, que la compagnie soit d'accord et à ce moment-là, automatiquement,
le gouvernement fédéral envoie des représentants et le gouvernement provincial envoie des représentants. Le problème, c'est que la compagnie et le syndicat s'entendent parce que les deux gouvernements favorisent la mise sur pied de ces comités-là. Des comités qui ont de grands avantages parce que, somme toute, le but du comité, c'est de replacer les gens. Ça veut dire donc que les listes d'assurance chômage et les listes d'assistés sociaux automatiquement s'en trouvent réduites et ne seront pas gonflées par la fermeture de l'usine. Alors, le comité lui-même ne va pas tellement travailler de ce temps-là. L'inventaire de tous les employés est fait, de toutes les capacités, en fait, d'instruction, de spécialités qu'ils sont capables de faire, de choses qu'ils voudraient faire, mais qui partent d'ici. Tout l'inventaire est fait. Mais par contre, ça n'a pas été utile à l'année jusqu'à date parce qu'il n'y a eu aucune mise à pied pour que le comité puisse travailler. Actuellement, aucun employé peut dire où qu'il va aller. Il ne sait pas. Non, on attend les événements un peu. Ça va dépendre de ce qu'ils vont faire, mais qui rentre, de ce qui va prendre la place si, s'il y a quelque chose que tu pourrais remplacer. À part de ça, on n'est pas prêt d'avancer rien. On ne sait pas même. On n'ose pas y penser. On va attendre. Vous avez travaillé une semaine pour une compagnie, puis quand il est temps de partir, vous lui demandez de me fixer un salaire, et on dit, vous êtes fini, viens revoir. Vous êtes plus de job, vous êtes pris, viens de voir. On dépend. Ouais. On va te dépendre, on va te prendre un meilleur marché. Quand la shop a une dimension de fermée, là, les autres manufacturiers ont été avisés de ne pas prendre aucun employé de la Penman quand la manufacture ne sera pas fermée. C'est vrai, ça. Il y a une entente entre les... Ouais. Des bureaux. Il y a eu une entente entre les compagnies de ne pas prendre un employé de Penman quand la compagnie n'est pas formée. C'est pas juste, ça. Puis moi-même, je suis informé à une shop ici, puis ils m'ont dit, c'est l'abattissement qu'on a eu. Elle était faite pour, par exemple, un employé, par exemple, qui travaille au Penman, ne peut pas, par exemple, aller à Sélanie, pour dire, je dois avoir un emploi. Là, il demande, travaille-tu actuellement au Penman? Si le gars dit oui, alors il dit non, on n'a pas d'emploi pour toi. Et là, il aurait répondu, fini open man, puis viens nous voir. Là, on va t'en donner un emploi. Et si tu travailles encore là, on t'en donne pas. Je peux pas dire telle date, ça va être fermé, c'est impossible. Parce qu'on va fermer, on déménagera pas toutes les lignes en même temps. Ça va procéder par étapes, tel que dit auparavant, tel que prévu. Ouais. Autre question indiscrète, est-ce que vous avez des contrats, par exemple, pour opérer jusqu'au mois de septembre ou au mois de janvier? On a des commandes, ça, mais... Monsieur, que les lignes sont transférées, c'est des moulins... Les commandes sont transférées aussi. C'est ça. Mais Monsieur Gignac, M. Tremblay a posé, je pense, une question qui est très importante. Si je comprends bien, il n'est pas possible pour la compagnie de nous donner, de donner au comité, ça pourrait être gardé secret, un échéancier qui pourrait favoriser le travail de reclassement. Et on dit si, parfois, on dit que ça va fermer au mois de janvier, après ça, ça peut aller au mois de juin, et on dit si la main-d'œuvre ne diminue pas trop vite, vous pouvez vous rendre au mois de juin, mais si elle diminue trop vite, courez une chance à faire au mois de janvier. Qu'est-ce qu'ils font? La minute d'un qui part, il le remplace à mesure. Ça fait que la main-d'œuvre diminue pas. On ne peut pas opérer si la personne tient à rester à votre emploi jusqu'à la dernière minute. Et puis si on ne sait pas quelle est cette dernière minute-là, est-ce que ça sera dans un mois, deux mois, trois mois? On ne sait pas. Que les employés ne sont pas prêts à s'en aller. Ils vont rester jusqu'à temps que ça ferme. Que la porte se barre, ça n'y a pas à sortir de là. Hey, Jean-Paul, hein? Il y a... m'as-tu dit qu'il y a des chances qu'il y ait une compagnie qui achète ça? Actuellement, le gérant a dit, le gérant général, la semaine passée, qu'il y avait des possibilités de vendre à une autre compagnie pour une ligne semblable. Mais semblable, ça ne veut pas dire que ça va être souhaitement, parce que c'est sûr qu'ils ne vendront pas un compétiteur. Ils vont vendre. On dit possiblement qu'on essaiera de faire un bon prix autant que possible pour garder une usine pour employer la main-d'œuvre qui va être mise à prix. Mais ça, c'est... on ne sait pas que ça va se produire. Les transactions qui vont se faire ou qui ne se feront pas, on n'en sera pas au courant. Nous. Et ils ne peuvent en aucune façon se prononcer. Somme toute, il faudrait travailler ici au comité comme si personne n'allait acheter l'usine de Quaticook et comme si aucune autre usine n'allait s'installer dans l'usine actuelle de la compagnie Penman. Les industries ne nous laissent pas regarder dans leurs livres comme on veut. On n'a pas le droit. Il n'y a pas de loi qui oblige une industrie à montrer son bilan, si vous voulez. Elle peut nous expliquer leur prix coûtant de telle marchandise, mais seulement, ils ne nous laisseront pas
analyser, si vous voulez, leur livre de fond en comble. Dans sa version originale, le film que vous êtes en train de voir incluait la participation de Edward F. King, dit Eddie King, président-directeur général de la compagnie Dominion Textile, la plus importante entreprise textile du Québec. Après avoir vu une première copie du film, M. King a exigé que toutes les séquences où il apparaissait soient retirées du film. La Dominion Textile contrôle la compagnie Penmans, qui opérait l'usine de Quaticook. Bon, ben j'attends que ça ferme, puis après, ben, je vais regarder me trouver de l'ouvrage. Parce que c'est Quaticook que je suis pas intéressée. À rester ici? Non. Premièrement, le salaire est pas assez élevé. Puis d'ailleurs, les opérations sont assez rares aussi. Il n'y a pas d'avancement non plus. Que j'attends que ça ferme, puis après, ben, je vais aller en dehors travailler. Voir pour trouver quelque chose dans la même ligne, si possible. Mais je sais pas. Encore, pas de projet. Pensez-vous y aller où? D'un gros centre assez, parce qu'ici, alentour, disons comme Mega et Crimby, par exemple, s'il y a seulement une usine, si on y slaquait quelque chose, bien, pas de possibilité d'aller ailleurs. Mais si on a un centre comme Montréal, par exemple, quelque chose du genre. Lorsque je me suis rendu ici à Montréal, les gens disaient, eh bien, tu fais une folie, tu fais une gaffe, tu te pars de Montréal toute seule, tu vas t'ennuyer, tu vas trouver ça long. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire quand même que c'est là-bas à Quaticook. Entre la vie et la mort, écoutez, voici la vie. C'est Duracell, la cellule d'énergie. Le village tchécoslovaque de Svitnik ont accidentellement mis le feu à leur caserne.
11 chez moi. Et j'étais le plus vieux. Sur une terre très, très prospère du bas de Québec. J'étais attaché à la terre pour m'en manger. Pour m'en manger de la terre. Ce que je regrette bien, c'est qu'il n'a pas été plus productif, qu'il n'a pas été plus rentable. On sait bien, t'es pas capable de... Avec 44 arpents de terre faite, je n'étais pas capable de faire de miracles. Les miracles, ça, ben, ils n'ont pas tant de ce qu'ils sont aux ans. Et puis, moi, de parce que c'est vrai qu'on ne doit pas mal parler devant nos enfants, mais moi, je suis rendu à un point de croire qu'il n'y en a plus. Ça n'a jamais existé. Les politiciens qui veulent qu'elle se promener là, tous les 3 ou 4 ans, qui disaient, écoutez, on va vous en faire des belles choses. Vous avez une ressource immense, la forêt, le fleuve. Il y avait à peu près rien que 5 000 de terre qui était cultivable. Il disait, là, en haut, là, c'est ça, il peut avoir des mines, là, là. Non! Dans le bas du fleuve, tout près de Montmagny, 45 000 de Montmagny. Situé, je ne sais pas si tu peux, tout près des de frontières du Maine, entre le Maine et les frontières canadiennes. Si on est venu à Quatico, c'est parce que là-bas, on ne pouvait pas travailler, premièrement. Mes frères et mes sœurs ont décidé que travailler dans des petites places comme ça, il n'y avait pas rien. Alors, à ce moment-là, ils ont décidé, eux, de venir voir à l'industrie, à peu près comme moi, quand j'ai parti de Quatico pour venir ici à Montréal. Mon père, on était d'abord né sur une ferme. On a resté à peu près, quoi, j'ai demeuré 13 ans sur la ferme. Comme la ferme ne rapportait pas assez pour faire vivre la famille, qui était assez nombreuse, alors mon père, il a décidé, au début, de vendre toute la ferme, compris la maison, tout ce qu'il y avait là, enfin. C'est la première usine que j'ai faite. On fabriquait des chaises pliantes, des chaises de soleil. Il fallait sauser ça dans la peinture, hein? Il fallait suspendre ça. Et je sais pas si vous avez déjà rentré dans les départements de peinture. Quelle odeur il y a. Alors, on y reste pendant 10-15 minutes. C'est du vernis, ça prend tant de minutes avant que vous soyez étourdi ou complètement sous. C'est du primer, ça prend à peu près le même temps que le vernis. C'est de l'émail, ça prend un peu plus de temps que le vernis avant de vous saouler, là, que vous deveniez un automate dans le parmi tous ces paquets de chaises de glissement. Alors, j'ai travaillé là environ 2 mois. Et il vient un temps où, à un moment donné, on n'a même pas besoin de souper. On arrive le soir, on est sous, on arrive à l'usine. À la maison, on se demande comment ça se fait qu'on est rendu là, on se couche, puis... Mais des fois, t'ouvres pas tout le linge qu'il faudrait que t'ouvres, puis... Tu t'endors, mais ça n'a pas de bon sens. Et ça existait à ça. On nous avait payé, il y avait eu quelques accidents. Un gars, par exemple, avait tombé dans les bleus à la suite d'intoxication, tu sais. Il était allé se jeter dans une scie, quelque part. À ce moment-là, il était venu les inspecteurs de la loi des accidents du travail. On avait dit, au lieu de leur faire boire une pinte de lait dans une journée, vous allez leur en faire boire 2. Et ça va les aider à se désintoxiquer. Et puis, ils devraient avoir une période de fraîcheur. De toute façon, à ce moment-là, j'avais décidé qu'un bon vendredi, là, il fallait que je fasse quelque chose. Puis, il vient un temps où on dit... Il faut presque faire un choix entre un suicide ou un... En tout cas, j'ai dit, je vais voir ailleurs. Alors, un de mes amis qui m'avait dit, devoir venir voir à l'usine Esmond et en prendre de ce temps-là. Là, on m'a embauché. Embauché de nuit. Ah!
Au début, quand je suis rentré là, tu sais, le bruit que ça mène, on travaille à l'usine 24 heures sur 24. Hein, parce qu'on laisse l'usine, puis on emmène l'usine avec nous autres dans notre lit, puis bing à bang, flic à flac, t'entends ça, moi, toute la nuit, tu dors, puis t'entends ça. Tu dors, puis tu t'es pas reposé. Alors, la troisième journée, je lui ai dit, si c'est pas possible de gagner sa vie autrement que de la gagner de la faire des deux expériences que je viens de vivre, j'ai dit, est-ce que la vie mérite d'être vécue? Tu sais, à 17 ans, tu te poses des questions. Hein? Tu étais celui pour commencer à raisonner quelques situations. Alors, j'en avais un, j'étais sous la semaine sans prendre un coup. Un point que j'étais rendu, ça m'avait. Je sentais que ça m'affectait le système. Et le deuxième, ben là, ça m'affecte la tête, j'entends plus rien. Quand j'ai commencé à travailler, d'abord, à ce moment-là, on pouvait commencer très, très jeune. En ayant un permis, évidemment, du gouvernement pour travailler. Parce que si on n'avait pas un permis, on avait une amende à payer. Alors, j'ai commencé à travailler, j'avais pas mes 14 ans encore, j'ai commencé dans le domaine du travail, j'avais 13 ans. Et j'ai commencé au mois d'août, j'ai eu mes 14 ans en septembre. Alors, je suis arrivée, le patron, un gros patron, m'a demandé comme ça, il dit... Est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu fais quelque chose? Je lui ai dit carrément, non, je ne sais rien faire. Après tout, je ne sais même pas enfiler une aiguille. Qu'est-ce que tu fais ici matin? Bien, je dis, si vous me l'apprenez, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir l'apprendre. Les autres l'ont appris, ils ne savaient pas au début. Comme il a vu, j'avais besoin de travailler, que je n'allais pas là seulement pour m'amuser, que je voulais faire quelque chose, que je voulais réellement travailler là-dedans, dans la couture. Il m'a dit, je vais t'apprendre. Il s'est assis à côté de moi, par exemple, une journée de temps, sans bouger, là. De 7 h du matin à midi, de midi à 5 h, parce qu'on finissait à 5 h le soir, ça, dans ce temps-là. On faisait la journée de 9 h d'ouvrage. Il m'a dit comme ça, il dit, tu vas l'apprendre. Alors, il m'a tout montré, expliqué la machine morceau par morceau. Moi, je trouvais ça très, très compliqué. Enfin, je quittais l'école, j'avais aucune expérience. Et à ce moment-là, j'ai commencé sur une machine ordinaire. J'ai fini par apprendre la couture. Le temps faisant, le travail étant rare, les orienteurs étant rares aussi, dans le temps. Et tout était rare, quoi. À ce moment-là, ben, j'ai presque été confiné à ce genre d'industrie-là. Monsieur Edward F. King, dit Eddie King, a commencé à travailler à l'âge de 15 ans dans un moulin de la Dominion Textile à Verdun. Il était commis de bureau. Son père, déjà au service de la compagnie, lui avait recommandé l'emploi. Le jeune King passa bientôt dans les services techniques de la compagnie, au bureau chef, sur le carré Victoria. Il fut rapidement promu au service des ventes. Puis, pendant la guerre, il a été chargé du développement des nouvelles fibres synthétiques. Après la guerre, il fut nommé président de Dominion Burlington Mills, une compagnie affiliée. Quelques années plus tard, il devint président-directeur général de la compagnie Dominion Textile elle-même. Aujourd'hui, il est président du conseil d'administration. Ils ont dit, mon frère, tu vas prendre des petites bobines qui sont un peu plus petites que la bouteille et tu vas mettre ça dans le magazine. Bon, un autre bon français, magazine. Tu sais. Gars du Bois de Québec qui arrive ici, le magazine, Bethlehem, Bobbin Boy. Tu vas puncher ta carte et puis, bon, chaud. Alors, comme on est rendu à s'habituer, puis tu comprends au remuement des lèvres à ce moment-là. Faut que tu fasses attention parce que tu veux garder ta job. Mais ben, ne t'as pas qu'on n'a pas le grain serré, tu sais. On vient d'avoir 18 ans, mais effectivement, on a 17 ans. On a vraiment parti chez nous. Puis la pire avait une autorité chez nous, puis bon. Alors, on s'installe dans l'usine, on me dit, tu vas remplir ces quatre métiers-là. Faut que tu fournisses, faut que tu fasses bien ça de telle façon. Puis s'il y a des problèmes, c'est le tyran qui est le weaver qui va te reprendre et qui peut te donner des indications. Mais j'avais eu la chance de tomber sur un contremaître. C'est un des contremaîtres les plus humains que j'ai jamais rencontré. Je sais pas si ma sympathie est allée vers lui parce que c'était mon homonyme. C'était un ami Saint-Homme, aucun lien de parenté. Mais un bon boss, un bon homme, là, la crème, là, bon garçon, qui est capable de faire
n'importe quoi à un employé, même les plus agressifs. Mais un bonhomme, tu sais, puis gentil, qui m'a donné un certain nombre de trucs pour que je puisse parvenir à faire le métier convenablement, à la satisfaction et de la compagnie, et du Weaver, tu seras en fait ça. Oh, mon affaire va bien, je suis parvenu à faire un bon bobbin boy. Et puis on me dit, le boss me dit, il y a une ouverture comme ça. Il dit, je vais te donner un truc. Parce qu'il dit, pour commencer, c'est sûr qu'il va falloir que tu apprennes à faire un nœud de tissu. Alors, tu vas le faire 50 fois, puis tu vas peut-être bien s'attacher une fois par hasard, tu sais, les premières fois. À un moment donné, il m'a montré comment pogner le truc, faut que tu tiennes dans ton pain. Alors, à ce moment-là, j'ai fouillé dans les têtes, j'ai fouillé dans les quatre poinçonnés, les jacquards. J'ai appris le principe jacquard. J'avais un boss qui me disait, quand tel morceau fera des fous en bas, il faudrait que tu aies à telle place dans la tête pour voir, parce que ça dépendra de ça. Alors, j'ai tout fait cet apprentissage-là. Et à ce moment-là, ben là, me voulait installer Joe et Phil. Avant que je parte de là, il m'a dit, je vais t'apprendre le flatlock. Le flatlock, c'est une machine qui est très, très compliquée. C'est la machine la plus compliquée dans une industrie. C'est très, très fatigant aussi. Je pense que c'est la machine qui est plus fatigante, le plus compliqué. Enfin, tout le... À ce moment-là, il m'a dit, t'es jeune, t'as le temps d'apprendre. J'avais 14 ans, à peu près. J'ai commencé sur la flatlock. À ce moment-là, ça me donnait très, très mal dans le dos. J'arrivais chez nous le soir, je pleurais, je filais pas pour manger, je filais pas pour voir personne, je voulais rien savoir, en fin de compte. Je me renfermais dans ma chambre, je disais pas un mot. À ce moment-là, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, ça sert à rien, c'est trop compliqué, je démissionne. Puis ma soeur qui travaillait avec moi, elle dit non, elle dit, faut pas que tu lâches, ça va venir avec le temps. Alors, j'ai dit, d'accord, je vais faire un effort encore, mais si ça va pas mieux, dans un mois, je lâche tout. Alors, avec le temps, je me disais, ça va revenir. J'ai continué, en fin de compte, pendant un mois, deux mois, et avec le temps, je me suis aperçu que ça devenait moins compliqué. Au mois d'avril, ouverture. Comme mécanicien, puis là, ils ont besoin, puis tout de suite, puis bon, ça va. On a dit, là, on te donne ta section, t'embarques le dimanche soir là-dessus. Là, on était rendu à trois équipes. Alors, effectivement, en bac là-dessus, les premiers temps, inutile de dire qu'on se cogne les doigts, puis on a de la misère. Mais on passe au travail. Et depuis ce temps-là que je suis mécanicien, ça fait de ça 6 ans déjà. J'ai un bon d'épargne là, sur ma paye. J'ai eu une augmentation dernièrement. Et puis après ça, c'est parce que ma paye n'est pas régulière. J'ai une prime d'équipe de Cessine. Alors, quand je suis de nuit, j'ai Cessine, j'ai 2,80 de plus sur ma paye. Mais, en tout cas, 2 piastres, c'est 3 de l'heure multiplié par 40 heures. Ça fait 80 et... Brut. Ça, c'est brut. C'est brut, ça. Ouais. Il doit me rester à l'entour de 72. Moi, j'ai 12. Moi, je fais de la couture. Pas uniquement de la couture pour moi, je fais de la couture pour les autres. Pour les autres. Moi, je dirais qu'à part de ce que je vais me chercher à l'usine, là, je vais sûrement me chercher une vingtaine de piastres par semaine. De sideline. Même, je mettrais plus que ça. C'est extraordinaire, sideline, qu'est-ce que ça peut être, une sideline. Je suis un peu loin de l'usine, ça me donne 1,5 mille. C'est pas ça qui exige que j'aille une auto, mais j'ai une auto. Et puis, en m'en allant à l'usine, là, je prends des copains, des confrères de travail.
Alors, vois-tu, ça, j'en ai 7 de ça. Ça me donne, chacune là, de ces personnes-là me donne 2 pièces par semaine. Ça me fait 8, 14 pièces. Et puis, à part de ça, ben, je fais de l'entretien l'été, je fais de l'entretien de parterre, lavage de vitres. J'ai des endroits là, où j'entretiens l'année. Montage de piscine, je fais bien des choses. 50 métiers, 50 millions. Ça de chaud. Il y a des logis qui se vident. Les gars m'appellent. Des fois, j'ai été laissé en mauvaise condition. Faire du nettoyage. Faire tout. Presque ce qu'on peut. L'embêtement qu'on a, nous, les équipes, ça, c'est un embêtement. C'est des représentations qu'on fait à la compagnie, ça, lorsqu'on a discuté le temps supplémentaire. C'est 15 jours de 7 à 3, puis 15 jours de 3 à 11. Ça tourne ça de même à l'année. Alors, si je travaillais de 7 à 3, je pourrais sûrement là, me trouver là, un à côté, je sais pas moi, le vendredi soir, par exemple. Puis le samedi matin, je pourrais peut-être travailler dans un magasin de chaussures. Il y aurait un tas de possibilités. Mais quand je travaille à 3 jours, mais tu sais, tout ça, c'est pas possible. Alors, il faut que tu tentes de trouver d'autres choses. C'est arrivé drôlement. C'est là, quelques années passées, là, il y avait besoin d'un helping nuit, Gabriel. Je finissais à minuit à manufacture, mais on a essayé à minuit dans ce temps-là. Puis aujourd'hui, t'es du quand j'étais rassasié de ça, ils m'ont dit à ce temps-là d'expérience, on fait travailler. Alors, 3 jours par semaine? À peu près, deux des fois, trois, ça dépend. Comment à 8h? 8h à 1h, des fois, ça va jusqu'à 3h, mais dans ce temps-là, on va dîner à 1h. Tu vas dîner à 1h? Tu prends 1h pour dîner. Puis, tu reviens travailler ici à 1h à 3h, tu sais? À 3h, midi à 1h, on va manger, puis de 1h à 3h, après ça, 3h, on va avoir mes heures, puis, mais de chance, puis, on a personne à manufacturer. Pour ça, il fallait que je fasse 2 jobs pour être capable d'arriver. Et un secours, je lavais des planchers puis je travaillais à ça. Je faisais mon ouvrage à la maison de nuit. J'avais soin de mes enfants. Puis après ça, ben, là, j'ai commencé à vendre des œufs tranquillement. J'ai commencé avec 37 poules. Au bout de 7 ans, ben, j'en avais 2000. Ça fait que là, ben, quand ma petite vieille s'est mariée, là, j'ai tombé avec une petite fille de 13 ans à la maison. Et puis j'en avais 67 encore. Ça fait que là, ben, avoir 2000 poules dans le poulailler, les nettoyer, puis laver ces œufs-là, puis aller vendre ça. Je faisais mon ouvrage, je lavais mes lavages le dimanche, puis j'ai connu que c'était que la misère pour être sûr. Là, ben, après que le plus gros des profits était ramassé des œufs, là, je les ai vendus pour la viande. Et puis, ça, ben, j'ai gardé ma ronde d'œufs, pareil. J'ai acheté à Compton d'un gros producteur qui avait 18 000 poules. Et puis. J'ai regardé ma ronde, je faisais moins, je travaille à moins, malgré que j'en ai passé bien des dimanches dans la cave à laver les œufs. Je me rendais 400 douzaines par semaine. Le matin, ça va être encore la même chose. Vous me lavez autour de 7h30, je pars mon train, et après le train, je déjeune, puis ensuite, j'ai la boucherie, c'est moi qui les vends. C'est ça, les cochons qu'on a fait boucher. C'est moi qui ai le job de vendre les cochons, le vider, le trapper, je ne sais pas si ça va là. Bon, 9h30, 10h15, on commence. Vous allez finir à quelle heure, là-bas? Quand ça va bien, autour d'une heure, 1h15, on a fini. Je m'en reviens ici, je soigne mes cochons. Je me lave, je mange, on va y aller.
pas si compliqué. C'est assez compliqué de s'adapter, je pense, dans les manufactures ici. Parce que la plupart, c'est des immigrés. Ce sont des Italiennes, par exemple, qui travaillent. Les autres, ça ne dérange pas. Ils vont travailler 20 heures par jour, si tu veux, pour une pièce de l'or. Ça ne dérangera pas, pourvu qu'ils font un salaire, qu'ils travaillent. Ils vont, tu vas te dire, je vais faire une broche, par exemple, pour une pièce 50 $. Les autres vont arriver, ils vont la faire pour une pièce 25 $. Juste pour dire qu'ils travaillent. Mais ils vont travailler, je sais pas moi, comme des poux pour faire une affaire de rien. Parce que les autres, ils peuvent se permettre de vivre avec ça, parce qu'ils peuvent vivre quand même, je sais pas moi, 3 ou 4 familles dans le même appartement, manger du spaghetti et du fromage pendant une semaine de temps avec 20-25 pièces, tu peux en manger de ça dans une semaine. Je sais pas, c'est pas la même mentalité que nous autres. Rentre dans n'importe quelle manufacture, ils se tourneront même pas la tête pour te regarder, excepté s'il y a des Canadiens français. S'il y a quelques Canadiens français, mais là, eux autres vont parler. Mais les Italiennes, ils ne dérangeront pas du tout pour te parler. Tu vas passer 100 fois par jour à côté d'eux autres, puis tu n'auras même pas la tête pour voir qui ils passent. C'est leur mentalité. D'habitude, comme ça. Moi, je ne sais pas, mais c'est dur de s'adapter. Parce que je ne sais pas, mais. Peut-être avec le temps. Là. Comment sont-ils devenus aliénés? À côté des habituelles raisons de névrose psychologique, il y a autre chose. Je crois que ce sont les professeurs qui enseignent cette aliénation. Il existe une sorte de culte de l'aliénation parmi les intellectuels à la mode, convaincus qu'eux-mêmes sont infiniment plus intelligents que les hommes politiques, les hommes d'affaires et les généraux. Ils ont le sentiment qu'existe un univers affreux qu'eux-mêmes devraient être appelés à gouverner. Il n'y a pas de fureur comparable à celle des intellectuels dédaignés. Supposons que vous êtes un intellectuel aliéné. Vous êtes professeur de philosophie ou quelque chose du genre. Vous n'avez aucun pouvoir, mais vous pouvez influencer vos étudiants. Vous employez des expressions comme celle-ci, que j'ai cueillie l'autre jour, sur l'élève d'un professeur de San Diego. L'illégitimité de l'autorité contemporaine. Donc, si l'autorité contemporaine est illégitime, vous avez moralement le droit, et en fait, c'est votre devoir de vous opposer à cette force. Nos universités deviennent ainsi des centres de sédition et de destruction. Les événements de ces derniers mois au Québec mettent en relief ces constatations. Ce qui est vrai pour les États-Unis l'est pour le Canada et malheureusement plus vrai encore pour le Québec, où trop d'intellectuels entretiennent en eux un sentiment de frustration qu'ils communiquent à toute une jeunesse qui se cherche. Si vous désirez une copie de l'éditorial, présentez-vous à CGMS, 1700 rue Berry, Montréal. Caramba! C'est moi maintenant qui porte les tickets de Che Guevara! Les pantalons Tickets pour les vrais chefs révolutionnaires. Victoire, mes frères. Vous trouverez les pantalons Tickets chez Marc Beauvais au centre commercial Rockland et aux galeries d'Anjou. Moi, ce que je demande, ce que je souhaite le plus, c'est qu'un jour, je puisse me permettre d'avoir ce que je souhaite avoir. T'sais. Pas une privée sur rien. Je dis pas d'avoir être millionnaire. Non, je souhaite pas ça. Mais avoir un maximum d'argent, une possibilité de dépenser, disons aujourd'hui par exemple, je voudrais avoir, je sais pas, un manteau neuf, je pense je m'en vais l'acheter. J'aimerais avoir, je sais pas, une maison meublée avec du style espagnol ou quelque chose comme ça, tu sais, un genre à moi, là. Quelque chose que pas tout le monde va avoir. Je sais pas, moi, par exemple, arriver à dire, je me fais faire un stéréo, un dessin que je vais avoir fait, un stéréo que je vais avoir dessiné, je vais en trouver quelqu'un, je lui dis, bien, tu vas me faire ça, je le paye, ça vient de finir. Puis avoir, je sais pas, une auto sport surtout, quelque chose que pas tout le monde aurait. Je sais pas, moi, avec des teintes extraordinaires, des affaires flashées, autrement dit, quelque chose, tu sais, je sais pas. Donc, moi, je me verrais, par exemple, avec une auto, je sais pas, le dehors argent, disons, puis le dedans noir, ou je sais pas, une teinte barbare, quelque chose. On arrive chez nous, on est fatigué, on file pas pour, je sais pas, faire des tas de choses, sortir, sauter, s'amuser, enfin.
une opération, c'est un domaine qui vieillit, quoi, la personne n'avait le temps. Parce qu'on réfléchit toujours en travaillant, on pense toujours à quelque chose. Si on s'arrêtait pour penser, par exemple, toujours à la même chose, toujours à notre ouvrage, bien quoi, on pourra pas travailler une semaine. On aurait trop, je sais pas, la tête à l'envers, on pourra pas continuer comme ça. C'est bien qu'où ce que c'est qu'on n'avance pas, on recule. Mais c'est un phénomène qu'on nous a enseigné par la télévision ou toute autre chose à accepter. C'est un phénomène aussi qu'on sait que nous autres, on produit avec beaucoup moins d'hommes au temps de verge. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on vérifie puis qui est palpable pour nous autres. C'est un phénomène aussi qu'on sait que les gars, dans ce temps-là, ils pouvaient faire 10 heures de production par jour. Aujourd'hui, quand ils ont 8 heures, ils sont contents de sortir de l'entreprise. Et on vient nous dire que c'est pour l'amélioration de l'homme. On dit que ça améliore la situation de l'homme. J'ai de la misère à concilier ça. Est-ce qu'on l'améliore ou est-ce qu'on l'abrutit? J'ai nettement l'impression que des fois, il y a des gars qui sortent plus abrutis qu'ils étaient dans le temps. Parce qu'on y coupe, on est rendu avec des systèmes savants où on dit, tu vas avoir tant de temps personnel, on chicane sur le temps personnel de l'occupation. Le temps personnel, qu'est-ce que c'est? Le temps personnel, on dit ça, c'est le temps où à un moment donné, ça te pique dans l'oreille, tu vas aller te gratter. On compte ça au millième de seconde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme l'homme devient savant. Et dans son développement d'intelligence, on dirait que plus l'homme devient intelligent, plus il rend robot, plus il est rendu moins humain. Qu'est-ce que tu veux, on est dans les cantons de l'Est. Et puis, dans les cantons de l'Est, c'est du textile. Alors, on n'a pas le choix. C'est pour ça, moi, que j'avais pensé un bout de temps, j'en avais discuté avec ma femme. Ça m'a rappelé, moi, l'idée, là, je ne sais pas, m'en aller travailler à Bécomo ou à Sept-Îles, où ce que c'est qu'il y a des gros salaires. Peut-être aussi du travail plus intéressant. Et puis, je me disais à ce moment-là, puis évidemment, je me faisais peut-être accroire des choses, là, mais je pensais surtout à pour mes enfants. Je me suis dit, normalement, pour eux, mec qui embarque sur le marché du travail, si je reste ici,
normalement, comme moi, ils n'auront pas le choix, ils vont être obligés d'embarquer dans le textile. Si je suis là-bas, il n'y a pas de textile. Alors, c'est la réflexion, mais je ne croirais pas là, que c'est... C'est l'explication, moi, en tout cas, je me suis donné. C'est, si tu veux, tu as le choix là, entre prendre ça et puis sur le bien-être social. Ou un gars pourra peut-être, je ne sais pas, s'expatrier, mais les emplois sont tout de même restreints là-bas aussi. Tu n'as pas d'autre voiture? La grève a débuté vers le 10 avril 1947. Madeleine Parra. Mon Dieu, qui en voulait donc. Puis, il n'était pas question de des salaires, des affaires de l'Union. Là, c'était, il s'attaquait là, aux personnes. Puis, essayait, comme moi, de dire que c'était elle qui nous entraînait dans. Je disais non, j'espère qu'il ne nous paye pas. Pourquoi c'est qu'il ne paye pas? Ben oui, mais vous êtes bien, c'était pas deux autres, moi, j'aviez pas dit. C'est une affaire de fou, je ne sais pas si autre chose que ça. Ils sont venus dans la chute des policiers provinciaux en grand nombre, environ 250. Et pour une ville de cette grandeur, c'était beaucoup. On s'était tous ensemble, puis on marchait, puis là, tout d'un coup, ces jubilés-là vont arriver avec des chars, un lot de police du sortier qu'on ne peut pas. On va devoir se bouger. Et puis, ils ont sauté avec le matraque, puis ils ont donné le. Frappé le monde. Puis ils emmenaient, il y en a qui ont arrêté, ils ont emmené au poste de police. Puis, comme le poste n'était pas grave, ils en mettaient plusieurs dans le main. Mm-hmm. Hein? Et puis, ça a été dur ce matin-là. J'ai dit, moi je demandais, comment ça se fait que vous arrivez? Puis j'ai dit, vous frappez le monde. Hein? Puis il y avait une femme qui avait été arrêtée, elle avait été enceinte, puis elle a porté son bébé, elle était avec 5-6 hommes dans la même cellule, peut-être plus. Moi je dis 5-6, je n'étais pas dans la cellule. Mais je sais qu'il y avait plusieurs dans la même cellule, puis tout d'un coup, madame, les hémorragies ont commencé. Et puis, il dit, écoute, on a les ordres. C'est les ordres. Puis moi, je disais, les ordres, mais
s'ils vous donnent l'ordre d'arriver et dire, ben, tirez, là, dans un... On a ça. Tu sais, ils me disaient ça, puis ça m'avait donné. Ça m'a resté dans l'idée, cette affaire-là. Ben, je comprenais pas, moi, que... Parce que quand on pense au... à ben d'affaires, moi, je me dis, la police, on doit avoir confiance. Ça, puis eux autres qui arrivent... Quand on fait rien, puis qu'on se fait attaquer, comme eux autres, là, pour nous autres, là, les voir arrêter, pareil, comme s'ils avaient fait... Ça avait été des assassins. Pour... Je me rappelle, moi, j'étais jeune, puis je pense que j'aurais pas été devant le monde, j'aurais broyé, ça me faisait assez de peine. L'organisation syndicale comme telle était un acte de sédition contre cette gracieuse famille des Ayers qui, semblait-il, était née pour diriger la ville de la Chute. Et alors, on a essayé de faire de l'organisation syndicale une sédition. Ben oui, mais disons, vous avez fait une grève pas légale. Ben moi, je lui disais, oh, êtes-vous légale, vous autant que ce que vous faites? Je trouvais que c'était pas fin, les autres, de frapper le monde. Et puis, je me disais, c'est, mais moi, c'est le mot communiste qu'ils ont toujours pris pour nous différencier des autres. J'ai jamais aimé ça. Ben ça, je me demande pourquoi. Puis, on s'est assez. Surtout eux autres, ils étaient attaqués. Moi, franchement, je pensais, moi, qu'un communiste, c'était une histoire de religion. Hein. Ça va avoir le salaire au moins d'être catholique. C'était être fou. Mais quand je comprenais pas pourquoi ce que c'est qui associait tant ce mot-là à l'histoire de l'Union puis à vouloir avoir des salaires. On était présents, là. On était hein, tout ensemble. Là. Puis que la police arrivait sur nous autres, là, que les bâtons frappaient, arrêtaient le monde. Puis ils arrivaient en cours, puis ils attendaient ce qu'ils se disaient, là. On savait là, que c'était rien que de la blague. C'était Noël Dorion qui était procureur de la Couronne, qui agissait directement sous les ordres de Maurice Duplessis, qui téléphonait à tous les jours à Saint-Jérôme pour savoir comment le procès allait. Tout ce qui s'est pu s'est dit dans les journaux, là, puis ce qui s'est dit au procès, là, qui était là. C'est effrayant, toutes les menteries qui peuvent être dites, là. C'est pas croyable. C'est assez pour devenir menteur, après, ça, quand on attend ça, puis qu'on voit qu'ils sont crus, eux autres, puis qu'on ne l'est pas. Puis quand je voyais un juge refuser cautionnement à quelqu'un, puis après ça, on les voit partir, là, puis qu'on sait devant nous autres qu'il a dit non, là. Vous savez, madame, que probablement ce que je veux dire. Vous vous promeniez dans la cour, là, puis on était là, là, puis il y avait eu, il vous avait dit, il avait demandé un cautionnement à l'avocat pour que vous sortiez, je sais pas. Et puis, on a vu Madeleine partir. Elle n'avait pas le droit de nous parler. Ça m'a été pris. C'était un enchaînement assez drôle. On n'a plus jamais confiance à la loi. Savez. Ils nous tiennent. Quand on voit qu'ils protègent les gros, puis les menteurs, puis les. On est, après ça, on est. Révolte, rébellion, sédition, communisme, anarchisme. Enfin, tout, on essayait de produire devant le public tous les démons populaires pour essayer de dire que c'était ça, l'organisation des travailleurs à la chute. Et à la fin, j'ai été condamnée à 2 ans de prison. Vous savez, quand on sait, comme nous autres, Duplessis, on ne l'avait pas dans le cœur, parce que se faire bâtonner par ces gars... On... Mais quand vous voyez ça, c'est un monde-là en moyen, puis que quand sa mère, là, qu'il lui, il est canonise pas, puis c'est juste. Puis qu'on connaît un petit brin, je dis qu'on se dit, mais je suis certain d'aller au ciel tout de suite. Subséquemment, la cour d'appel a cassé le jugement et a ordonné un nouveau procès. Seulement, Duplessis a décidé de faire remettre d'année en année un nouveau procès. Pendant 7 ans. Et finalement, en 1954, nous avons été déclarés non coupables par le juge et ça finit l'affaire. Mais le public ne l'a à peu près jamais su parce que le procès lui-même avait fait la manchette des journaux pendant des semaines et des semaines en 47 et 48. Dès le départ, quand on parle du problème textile, je crois qu'il faut quand même voir les secteurs différemment. Il y a les grands secteurs, c'est le coton, il y a les fibres synthétiques,
la bonne trie, le tapis. Ces choses-là se comparent pas. Dire qu'au départ, si les textiles ont pu s'établir au Québec, c'est parce que autour de 1870, le nouveau gouvernement canadien a adopté une politique nationale, c'est-à-dire une politique protectionniste. Et derrière ce mur-là, des industries sont venues s'établir. Des industries qui ne pouvaient pas faire concurrence tellement sans tarifs douaniers aux manufactures des autres pays. En autre mot, c'est une espèce d'industrie artificielle. Que les textiles, comme d'ailleurs beaucoup d'industries canadiennes. On peut dire que l'économie manufacturière du Canada, dans une large mesure, est une industrie artificielle, comme la chaussure. Bien des secteurs de l'industrie mécanique, de l'industrie électronique et le reste. Pas parce qu'on ne pourrait pas produire, nous, des produits électroniques ou des produits mécaniques, des voitures, par exemple, mais parce que la façon dont on s'est organisé pour les produire, ça nous place dans une situation de dépendance. On produit de tout. Dans bien des secteurs, on produit tout un éventail de produits. Et aucun de ces produits-là est fabriqué en assez grande quantité pour qu'on atteigne les seuils de rentabilité qui sont admis, disons, sur la scène internationale. La Beacon Manufacturing fait partie d'un empire industriel, ce qu'on appelle une corporation multinationale, mais en fait, c'est presque toujours des corporations américaines. Et cette corporation américaine s'appelle National Distillers and Chemical Corporation. Ses revenus bruts, c'est-à-dire en gros son chiffre d'affaires, en 1969, s'est élevé à un peu moins $1 milliard. Ils produisent du bourbon, qui est un alcool très populaire dans le sud des États-Unis, du gin, Gilbase, puis ils importent aussi des alcools. Ils importent le Vat 69, qui est un scotch, je pense, qui est assez populaire ici, l'aquavit scandinave, tequila, le rhum, etc. Mais évidemment, l'alcool, ça fait partie un peu des industries chimiques. Alors, la National Distillers s'est engagée également dans le secteur chimique. Pour produire du polyéthylène, des résines, de l'alcool, des plastiques, des acides phosphoriques, sulfuriques, etc. La National Distillers s'est également engagée dans le secteur des produits métalliques, pour produire des produits de cuivre, d'étain. Mais le complexe est également propriétaire de subsidiaires. Par exemple, si on regarde ici les produits chimiques, vous avez des usines qui se trouvent à Hong Kong,
qui se trouve en Orient, à Formose. Une usine, USI, en Europe. Evernight Plastic aux États-Unis, Polymer Dispersion, AB Chemical Corporation. Dans le domaine des produits métalliques aussi, vous trouvez toute une série là, de compagnies subsidiaires. Aristocrat, Bridgeport Brass Canada Limited, Bridgeport Argentina. Et ça, ça nous donne une bonne idée là, vraiment de la dimension internationale de cette entreprise-là. La National Distillers, tu nous diras que les distilleries, c'est pas mal loin de l'assurance, mais la National Distillers est quand même dans le secteur de l'assurance. Elle est propriétaire d'une compagnie d'assurance. Et ces grandes compagnies-là, pourquoi est-ce qu'ils achètent des compagnies d'assurance? Parce que une compagnie d'assurance a un gros cash flow. Il y a beaucoup d'argent qui rentre dans une compagnie d'assurance et ça permet au complexe de financer ses investissements plus facilement, sans avoir à emprunter. Il y a une troisième série de compagnies qui font partie de cet empire-là, et ce sont les compagnies affiliées. Alors, dans le domaine des produits chimiques, par exemple, on trouve la Panhandle Eastern Pipelines Company, qui fabrique de l'hélium pour le gouvernement américain, la National Petrochemicals Corporation, qui fabrique du polyéthylène linéaire. Vous avez dans le domaine des produits métalliques Reactine Metals, qui fabrique du titanium et des sous-produits du titanium, un métal qui est utilisé pour fabriquer des aciers spéciaux. Indico Argentina, encore on se trouve en Argentine, une compagnie affiliée. Et finalement, au fond du panier, si je puis dire, on trouve Beacon Manufacturing, une entreprise qui est dans le secteur des textiles et qui possède des filatures au Nicaragua, à Smith Falls, en Ontario, et à Grande Bay, Québec. Cette entreprise que l'on trouve à Grande Bay, c'est évidemment Esmond Mills, et un des gareurs de métier de la Esmond Mills, c'est Bertrand Saint-Ange. C'est extraordinaire, ce gareur de métier-là, pas d'importance dans tout ça. Il faudrait peut-être préciser aussi que l'Esmond Mills n'est pas la propriété exclusive de National Distillers, mais est partagé à 50% avec Dominion Textile, dont évidemment le président est M. King. Et les propriétaires de la National Distillers ont tout intérêt à diluer le plus possible leur capital. Ça veut dire ça que, disons, avec, mettons, 1 milliard de capitaux, ce qui n'est pas extraordinaire, ils peuvent arriver à contrôler quelque chose comme peut-être 50 milliards d'installations productives. Et au Canada, on est pogné dans ce genre de structure-là jusqu'au cou, puisque plus de la moitié des entreprises canadiennes font partie de ces grands complexes internationaux, de ces corporations multinationales qui, je le répète, 9 fois sur 10, sont des corporations américaines, des compagnies américaines. Après ça, en 1952, la compagnie nous a fait un ultimatum, c'était sur l'augmentation des cadences. Le speed-up, comme nos gens disent, et ça revenait à doubler les charges. Et on a négocié pendant presque un an de temps, puis il n'y avait pas moyen du tout. C'était son système, son nouveau système à la pièce, un nouveau système des cadences, puis il n'y avait aucune solution. Quand vous avez du chronométrage du travail, il y a toujours, disons, l'espèce de... pas tout à fait un marchandage, mais en fait, le fait qu'il y a un chronométreur qui passe puis qu'il prend pour acquis à peu près que la personne va freiner quand elle se fait chronométrer. Alors, il va chronométrer plus haut. Alors, disons que c'est fixé à un taux X. La personne, comme le salaire de base est très bas, va essayer de faire plus. Alors, au bout de 6 mois, ils vont augmenter les cadences en disant « Vous faites, par exemple, du 120%. » Alors, ça veut dire que vous êtes capable de faire en temps normal. Alors, ils augmentent les cadences, puis tout ça. Alors, c'est vraiment une espèce de... Je veux dire, c'est assez infernal comme système, finalement. Et à la fin du compte, il a fallu faire la grève. Bien, on avait tous les journaux, on avait les marchands, tout était contre nous autres. On avait tout contre nous autres. Puis les Américains, n'oublie pas les Américains, Paul. Mon Dieu, notre réputation. Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui de voir revendiquer tous les gens hein, dans les cégeps, dans les choses? Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui? Mais c'était une petite bagatelle, ce qu'on a fait, nous autres, au prix de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on faisait, nous autres. Il n'y a pas à dire, on passait pour des... pour des communistes. Hein? On passait pour des communistes. Comment est-ce qu'on nous criait, comment on nous disait, les communistes? Parce qu'on montait un peu de...
tu sais, on était un peu solide, tu sais, on était un peu rigide. Mais oh, c'était rien au côté de ce qui se fait aujourd'hui. C'était de la petite, ils m'ont dit de la petite bière au côté de ce qui se fait aujourd'hui. Ce qu'il dirait aujourd'hui, dans ce temps-là, c'est qu'il voyait ce qui se passe aujourd'hui. Il dirait, ben, les gens, c'est plus que des communistes, c'est... Ah, il dirait, on est en Russie directement. Je sais bien, moi, dans ma paroisse, on organisait des groupes de filles, en partie des filles, des femmes. Alors, on les organisait sur les paliers d'église, et puis après ça, on partait en avant avec eux autres, allez travailler, mes enfants, le bon Dieu vous accompagne. C'était pas aimable pour nous autres. Ils faisaient le piqueteur et tout. Aller travailler, mais c'était en partie des filles, mais tout de même. C'était des gens qui s'en allaient, Et à l'issue de cette grève-là, les chefs américains, avec Roger Provost, ont signé la convention collective contre la volonté des membres eux-mêmes. Et la grève a été brisée. Et là, nous avons été délogés. Et c'est ainsi que l'Union internationale est devenue syndicat de boutique. Vers les 7 heures, là, ben, il a commencé. Là, les gens ont commencé à arriver. Hein. Alors, ça s'est groupé, ça s'assembla. Là, on a vu déboucher la police provinciale. Ils sont arrivés. Puis moi ils m'ont plus de changement chemin. Ils sont mis deux. Madame Duranceau, elle a pris une barre, elle aussi. Puis là, les gens en dedans, les gardes barrières, les autres sont arrivés, puis ils ont ouvert là, les grandes barrières. Puis là, ils ont appelé les gens. Venez-vous-en travailler. Ça ne bougeait pas. Ça ne rentrait pas. Il y en avait là. Ben, toutes les gens. Mais vu qu'on s'est... On s'est laissé faire, on s'est pas défendu. Les gens ont pas voulu avancer, mais s'il y avait eu plus de pagailles que ça, je pense que la bataille aurait pris entre la police provinciale et la foule. Parce que déjà, on entendait murmurer, on entendait des traitats de cochons, puis bande d'écœurants, puis ben, la foule commençait à mordre pas mal. Oui. Mais ça avançait pas. Ça restait tout là. Oui, c'était la voie principale. Et Denis Arcand. C-A-N? A-R-C-A-N-D. T? A-R-C-A-N-D, oui. Travailler? Je travaille pour l'Office national du film. Dans quel but vous filmez? On fait un film sur le textile. Est-ce que vous avez demandé la permission des proposés, des premiers ici? Les autorités de la mine textile, non, on n'a pas demandé. Pas dans ce cas-ci, non. Peut-être par éviter... Parce que c'est eux autres mêmes qui nous ont appelés pour savoir le but de cette entreprise. Ah, la compagnie vient de vous appeler? Oui. Vous vous demandez ce qu'on faisait ici. Justement. Vous avez firmé sur l'autre partie aussi, hein, de la bâtisse. Ouais. Sur l'autre côté. Oui, on a filmé. Justement, ici, il y a des gardes. Ils ne savent pas, ils sont pas au courant de leur lien présentement. Ah bon? Ils peut-être dû avoir une entrevue avec eux autres, expliquer votre cas. Ouais. Ils n'aiment pas ça qu'on filme, c'est ça? Non, mais ils veulent savoir le pourquoi, la faute. Ah bon, d'accord. Disons, tout simplement, ils voient des gens qui se promènent dans le côté de la bâtisse. Hein? Ils veulent savoir pourquoi. Ils sont inquiets? Non, juste, disons, c'est leur droit. Ils en sont les propriétaires. Pas tard du tout, ça. Avez-vous des enregistrements du station wagon? Ah oui, on vous donne ça. Vous, votre adresse, c'est? Dans 2,55.
si on avait donc pu passer l'autre. Si on avait donc pu. Mais avec les Américains, Paul, il n'y avait pas moyen. Mais malgré tout, malgré tout ce qu'on a eu contre nous autres. Oh, si c'était dans les temps d'aujourd'hui, on aurait dû rentrer, puis on aurait dû rentrer fort. Mais dans le temps, tout était contre nous autres, pendant malgré tout, on a bien fait. Ça n'a pas manqué grand-chose. Ça n'a pas manqué grand-chose qu'on passe. Malgré tout. Moi, je me rappelle qu'avant 60, l'homme à abattre, c'était Duplessis. C'était Duplessis, first of all. Il avait inauguré le pont Vendôme. Il était invité, Monseigneur Vendôme, avec tous les autres. Et puis, il avait épinglé l'ordre du commandeur, Pierre Fenner-Sandram. Il avait épinglé ça après lui. Et il avait dit, vous êtes le plus grand premier ministre. Parce qu'il avait donné son nom pour Vendôme. Ouais. C'était le nom de Monseigneur Vendôme. Ouais. Vous êtes le plus grand premier ministre qui a jamais passé dans le direct. Je l'avais trouvé ketchup, celle-là. Pourquoi? Je l'avais trouvé ketchup, celle-là. Vous êtes le plus grand premier ministre qui a passé dans le direct. On a dit que la plupart des gars qui étaient membres du FLQ, c'était en partie des fils de bourgeois. Des gars, comme me disent dans l'usine, des gars qui sont tannés d'être bains. Moi, c'est pas mon cas, parce que mon père est ouvrier dans une usine de peinture. Ouais. Mon père est cultivateur. Puis, il a tout le temps tiré le gars par la queue, puis tire encore, puis il va mourir de la même façon. Si tu veux faire, il n'a pas tellement changé, il a rendu à 60 ans. La société te dit, tu as le droit de parler, tu as le droit de t'exprimer. T'sais. Alors, tu fais des manifestations, tu fais des grèves, t'sais. Puis ils te laissent t'exprimer, mais en autant que, tu sais, je veux dire, ça rentre dans leurs limites, que ça fait leur affaire. Puis quand ça fait plus leur affaire, tu sais, ou bien ça arrive comme dans les universités puis les cégeps, ben, qui jettent des professeurs dehors, qui jettent des étudiants dehors, tu sais, ou bien ça arrive comme dans les grèves, ben, ils laissent éterniser les grèves, ou bien ils font venir la PP. S'ils revendiquent quelque chose, parce qu'ils sont certains, ils voient une possibilité de l'atteindre, ce qu'ils veulent avoir. Dans notre temps, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça, cette liberté-là. On n'a pas connu ça. On va pas. Et puis, ben, on est un petit peu fataliste, alors on s'arrange à ce qu'on a là. Il y avait des choses qu'on disait, ben, à quoi bon? À quoi bon? On va ramasser. Alors, à quoi bon? On se contentait de ce qu'on avait. Mais, n'empêche qu'on avait des sursauts. Quand ils sont arrivés, eux autres, alors, on voyait une possibilité, là, voyez-vous? À toi, à la place de l'ouvrier, là, qui gagne 60 piastres par semaine. Et qu'à un moment donné, il arrive un gars au nom de la libération du Québec qui vient faire sauter à baraque où ce que c'est que ces machines vont sauter avec. C'est son 60 piastres par semaine qui vient de sauter. Puis là, il en demande 65. Il est dehors pour obtenir 65 piastres par semaine. Lui, la libération du Québec, ça doit jouer ailleurs qu'au coût de sa job. C'est ça que ça veut dire. Pour le gars, là. Le fait qu'il s'est passé à Saint-Anne. Qu'on fasse sauter les boîtes à mal. Tu sais, là, ça touche à... c'est trop comme quand la révolution se fait ailleurs. J'avais faim, c'est lui qui m'a donné à manger. J'avais soif, c'est lui qui m'a donné à boire. Tu sais, on a entretenu ça, tu sais. Mais... C'est encore reconnaissant au patron parce que c'est lui qui crée des emplois. Oui, j'ai assez peu confiance que le monde se tienne, là. Je comprends qu'il y en a qui ne tiennent pas parce qu'ils ont peur, là. Il y a toujours une certaine crainte.
Ceux qui ont leur maison, qui sont venus à bout de peine et de misère, ben avec un petit héritage d'avoir une maison pas chère, on prend mes parents, un exemple. Avec un petit héritage et puis un petit ça, ils sont venus à bout de se gagner une maison, qui ont payé 2 500, qui ont fait bien du réparage, mais... c'est pour ça, vous savez, sont, quand ils ont été assez pris, on dirait, par... pas des gros salaires, puis pas de... Ça, c'est pas mal dur de vous expliquer. Après qu'on avoir tout fait, là, tout donné ce qu'on voulait, puis, être, puis sur le gouvernement, la compagnie, puis même le clergé, qui était pas trop pour nous autres, puis tout le temps, ce qu'ils disaient, c'était qu'on était que c'était du communisme, que... C'est ça qu'ils nous mettent, que là, on dirait qu'il ne faut pas être communiste, mais il y a 20 ans, il vient mieux manger que ce qu'ils mangent à l'année longue. Il y a un pays qu'on observe, là, puis que j'espère qu'il va continuer sa bonne voie, c'est la Cuba. On espère, malgré toutes les embargos, les nuisances que le système de l'or va leur mettre dans les jambes, on espère qu'il va passer au travers. Moi, je sais bien, moi, je souhaite ça de tout mon cœur qu'il passe au travers de toutes les réticences que la pièce va essayer d'y mettre pour y nuire. Parce qu'au moins, on aura un exemple qui aura peut-être servi. On se rend compte que les jeunes employés avaient facilement une 8e, une 9e, il y en avait même certains qui avaient une 10e et une 11e année. Mais dès que l'on dépassait 40 ou 45 ans, en général, les employés n'avaient pas plus d'une 2e ou d'une 3e année. Alors donc, une main-d'œuvre avec un degré de scolarité très bas. Évidemment, ce bas degré de scolarité rend cette main-d'œuvre-là captive. C'est une main-d'œuvre que l'on peut difficilement replacer ailleurs. C'est une main-d'œuvre qui se réadapte difficilement. De toute façon, s'ils sont âgés, on ne peut à peu près pas espérer les recycler. Ils ont travaillé dans le textile toute leur vie. Très souvent, ils y sont entrés très jeunes, à l'âge de 15 ou 16 ans. Ils ne connaissent pas autre chose. La compagnie, c'est leur univers. Le textile, c'est leur univers. Et ils ne voient pas tellement bien eux-mêmes comment ils pourraient se replacer ailleurs. Bien, mon mari a une ferme. Je suis ici à côté de manufacture. Ça fait que c'est difficile de partir sans aller ailleurs. Après ça, j'ai 3 enfants qui vont à l'école. Ça fait longtemps, mais ils vont aller au secondaire, mais c'est un autre problème. Je n'ai un qui est infirme. C'est encore des affaires, ça. Je vais attendre la dernière, moi aussi, pour voir qu'est-ce que c'est que, qui va survenir. Je vais aller un peu sur le comité de recyclage. Moi, je suis obligée de travailler, moi aussi, ça fait que je vais me fier un peu plus sur eux autres. Ça fait dur, quitter la place comme ça. On s'en allait ailleurs, on va y penser tout de suite, hein, notre chez nous. As-tu été filmé dans l'Ontario? Non. Tu vois, je comprends comme dans l'Ontario, j'avais mes petits-cousins, moi, qui travaillaient là. Hein? Ils parlaient pas l'anglais. Ils comprenaient, ben, mais ils parlaient pas. Désespoir, mon bon, j'étais obligé de s'en venir. Il était sur son dos. Ça, ça tient pas de bout. Aller à Brantford, Ontario, tout près de 600 000 ici, ça tient pas de bout. D'arriver là seul, c'est-à-dire avec notre famille, mais tout de même, il n'y a pas personne qui en connaît. Arrive, toi, là-bas, amène ton ménage là-bas, là. Hein? Disons que tu travailles un an, disons, ils ont du bras pour un an. Après ça, c'est là que tu vas aller. Faut que tu y penses à ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui a un gars qui est installé un peu, il vient de rester à la même place. Et puis le salaire du textile en Ontario, pendant qu'il est plus bas que par ici. Plus bas qu'ici. C'est pas encourageant d'aller là. Puis ici à Quatico, bon, non seulement que les écoles qu'on peut aller travailler, ça fait que les usines, il n'y en a pas tellement. On ira à l'école, ils nous payent. Moi, d'abord qu'ils trouveront un job pour mon mari, ça ne m'intéresse pas de continuer à travailler. Je travaille dans l'eau à journée. Puis la semaine passée, il s'est brûlé à grandeur. Ça fait du caustique. Les dières sont pas assez bonnes. Ils font partie, puis... Ça fait 2 fois, pas grand temps. Il y en a bien qui disent qu'il est payé pour ce qu'il sait faire, mais il ne voudra pas le faire, sa job. Ouais.
Moi, en tout cas, d'abord qu'il t'a trouvé un bon job, là. 70 opératrices de machines à coudre chez Walter Manufacturing, à Richemont. 20 opératrices de machines à coudre chez Jack Spratt Limité à Windsor Mills. 30 opératrices de machines à coudre chez Charles Sportswear à Drummondville. 2 contre-maîtresses à la même place. 40 opératrices de machines à coudre chez Waterloo Hosiery. 3 ouvertures chez Kilgore Aquatico. 3 ouvertures chez Shear Aquatico. 15 opératrices de machines à coudre Aquatico Couture. 25 hommes au moulin 6 Aquatico. On avait 3 tricoteurs chez Gainer. 20 couturières chez Kaufman Footwear. Puis 5 couturières à Saint-Edwidge Couture. Alors, la situation est belle. Ça, c'est l'inventaire des ouvertures qu'on a eu à faire. Alors, il y a donc 302 places de disponibles à ces différents endroits. C'est ce que ça veut dire? Oui, immédiatement. Est-ce que vous vous êtes informé des salaires? Disons que les salaires, on n'a pas trop pris d'informations là-dessus. Justement, pour permettre aux gens d'aller se rendre compte eux-mêmes sur place, puis que les motiver à commencer à bouger. On avait offert les ouvertures et les salaires, c'est un autre d'aller se rendre compte sur place. Disons que oui, mais dans la majorité des cas, les salaires sont des avantages. Parce que je veux bien qu'ils aillent se rendre compte sur place, mais s'ils ils doivent se déplacer pour se rendre compte que c'est un salaire de 35 $ pour une période de 3 mois, ça ne vaut peut-être pas la peine. J'ai l'intention de me lancer en électronique. C'est un domaine que j'ai toujours aimé. J'ai déjà appris un cours de radio. Je pense bien qu'avec l'aide du comité, j'ai espoir de travailler dans ce domaine. On attend pas le comité, ça dépendra des positions qui vont nous être faites. Et en cas de protection, on va commencer à regarder pour avoir des visions. Si vraiment on va tirer de rien que du bon s'apparaître, on dirait aux États-Unis. J'ai un de mes amis qui, moi, ça fait 2 mois qu'il est rendu aux États-Unis. Il est allé chercher une augmentation de salaire d'une pièce, 1¼ $, je crois. À l'intérieur du même métier, pas là où fait que ça, il était titrant. Et actuellement, son objectif, là, il attend la réponse d'un contracteur en construction posé du Suproc, où il va gagner 9 $. Mais à Manchester, ils ont des bonnes chances. Un Canadien français, on va être en bas à Manchester. Un Américain, il n'ira pas ailleurs, ils vont prendre le Canadien. Le Canadien, c'est un bonhomme. C'est ça qui arrive là-bas. Mes cousins sont là, ils me l'ont dit. On dit, si tu veux un job, viens, puis dis, je vais t'emmener dans la manufacture, des souliers ou des vêtements, puis je vais t'avoir un job droit demain, puis un Américain va venir, puis ils ne voudront pas. Ben moi, ma famille est à Toronto. Et puis mon mari, ben, il travaille à l'automobile. Il pourra se placer assez facilement là-bas. Dites, on aimerait mieux s'en aller là qu'essayer de se placer ici. Parce qu'ici, à Quatico, il n'y a à peu près rien. Moi, je n'accepte pas comme représentant syndical, plus que ça, comme citoyen, que la compagnie remette toutes ses responsabilités à un comité de reclassement. Ça, j'accepte pas ça. Puis, ça fait tellement longtemps que Penman est ici à Quatico. Pendant toutes ces années-là, la compagnie Penman a sûrement fait des bonnes affaires, parce que vous auriez fermé vos portes bien avant ça. Alors moi, je suis tenté de vous dire que vous avez retiré le meilleur de tout ça et qu'au moment où ça commence à aller mal, vous décidez de fermer vos portes. Non, parce que me semble qu'un employé qui a donné toute sa vie pour une compagnie, après tant d'années de service, me semble qu'il aurait pu au moins lui donner une paye de compensation pour montrer au moins le peu de reconnaissance qu'ils ont envers cet employé-là. Mais là, il y en a surtout pas. Surtout les gens qui ont fait avec les loups. Oui, justement. D'accord, on a travaillé, on a eu un salaire pour notre ouvrage, mais si on n'avait pas été là, la compagnie n'aurait pas fait, n'aurait pas sorti qu'est-ce qui sortait. Alors, un employé qui a donné 10, 15, 25 ans de service, il a certainement un droit à quelque chose, une compensation pour le service donné à la compagnie. Alors, on va le maintenir jusqu'au bout. Ça donnera ce que ça voudra, mais on va le maintenir jusqu'au bout. Donc, la compagnie juge que le comité de recyclage a été formé dans le but principal de placement à nos employés. La compagnie juge aussi que la question de paye de séparation ne devrait pas être discutée lors des assemblées du comité de recyclage. La compagnie ne prévoit pas de paye de séparation. Ça m'apparaît même aberrant sur le plan de la logique.
d'affirmer une telle chose. La compagnie volontairement participe au comité de reclassement, mais le comité de reclassement est financé majoritairement et largement majoritairement par nos deux gouvernements, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, qui assument, dans une proportion de 75%, les frais qui découlent des problèmes qui sont causés aux travailleurs par la décision prise unilatéralement par une compagnie de fermer ses portes. Donc, il n'est que juste et normal que la compagnie participe financièrement aux travaux du comité de reclassement, ce qui ne la dégage nullement de ses obligations morales à l'égard des personnes qui ont travaillé pour elle une grande partie de leur vie. Qu'est-ce que la compagnie est prête à faire ou qu'est-ce qu'il ne ferait pas? On ne sait pas. On n'est pas mandaté de discuter le sujet de paix de séparation, point final. Bien, moi, je dis qu'on parle de séparatistes depuis une secousse, puis d'après mon idée, je pense qu'il y aurait beaucoup d'idées d'anglophones dans ça. Pour ça que les manufactures cherchent toutes à s'en aller en Ontario. On a toujours eu à cause du chômage, on n'a pas eu du séparatisme sur le tête. C'est peut-être une des causes, en dedans. Ils ont fait assez de vendages, j'ai plus la chambre de commerce à Montréal. Les entreprises vont s'établir en Ontario pour la simple raison que la technologie de ces entreprises est plus avancée et par conséquent, on n'a pas besoin d'ouvriers spécialisés et par conséquent, en s'établissant dans la région de London, Hamilton, Toronto, dans ce triangle, disons, on a une forte quantité de main-d'œuvre féminine d'origine récente au Canada, qui vit encore à l'européenne, c'est-à-dire dans des grandes familles, avec la grand-mère, la tante, etc., de telle sorte que les jeunes femmes sont libres pour aller travailler. Et comme il s'agit d'un travail qui ne demande pas de spécialisation, on trouve très facilement de la main-d'œuvre féminine qui est capable de remplir ces tâches-là. La qualité textile ou le produit qu'on vend d'autres, là, dans une dizaine d'années, il ne reste pas seulement... au Québec surtout. La manière que ça va, là, tous les gens s'en vont dans l'Ontario, les manufactures là, de textile, les gros, les head office sont là. Moi, je dis que dans la province de Québec, là, le textile, ça meurt. On est quand même parvenu à en replacer un très grand nombre. D'ailleurs, un très grand nombre de femmes aussi. Il y en a plusieurs qui ont accepté d'être transférées à Saint-Hyacinthe. Il y en a plusieurs qui ont accepté d'aller travailler dans d'autres villes. Mais évidemment, il faut dire que c'était toujours dans le domaine textile ou des domaines connexes. Ils ont essayé de trouver d'autres choses dans une autre ligne que le textile ou dans les industries. Puis c'est pas facile. Ça prend beaucoup d'instructions, ça prend l'expérience. Alors, toutes les démarches que j'ai faites ou les demandes d'emploi que j'ai faites, ça n'a pas marché. Alors, en juin, j'ai fait encore un essai d'une semaine dans un marchand de gros pour encore essayer de changer de ligne. Je n'ai pas aimé ça du tout. Alors, donc, j'ai pris une décision du jour au lendemain de prendre des cours un an à l'Institut du textile pour rester dans la même ligne. Ce que ça va donner un ou d'un an, en fin de compte, je ne sais pas. Je me demande bien ce que c'est qu'on va aller. À part de ça, notre âge, là, c'est assez c'est justement l'âge qu'on a. Se replacer dans le textile, ben, c'est pas avantageux, mais... Ben, mon mari s'est trouvé une job, oui, à Quatico. Je trouve ça pas pire, mais il faut que tu travailles 7 jours par semaine. Une journée de congé par mois. Fait que, comme de raison, il aimait mieux rester à Quatico pour commencer. Il dit, lui, qu'il n'y ait plus d'expérience sur la chaufferie. Ben là, peut-être qu'il ira ailleurs, mais pour le moment, il est content de ça. Ça va pas payer, en tout cas. Pour nous autres, ça va pas payer.
la manufacture, c'est une des manufactures les plus importantes au pays. Ça, faut pas l'oublier. Pour la quantité de monde qui travaillait ici, c'est une des plus importantes. On ne fait pas peut-être la chemise de la plus grande qualité, malgré qu'on n'a pas honte du tout de notre, des chemises qu'on fait. Une preuve, c'est nous autres. La plupart du temps qui habille la police montée. Vous savez que la police montée, c'est très sévère. En tout cas, on est parti de... Quand ça a commencé en 29, c'était 75 employés. On a, évidemment, il y a, comme tout le monde, il y a eu les années de guerre où on a eu beaucoup de contrats de guerre, où on a touché 550 employés. Et puis après, la période de réajustement, on a tombé en 350-375. Ça a été notre nombre de personnel durant cette période de temps-là tout le temps. Aller jusqu'à, comme je vous ai dit, au commencement de 60, à la fin de 67, commencement de 68, ça a commencé à décliner, dû aux importations, définitivement dans notre cas. Au début de l'année, en 68, notre moyenne de salaire par semaine, c'était de 15 000 $. À la fin de l'année, il était tombé à 5 000 pièces. Mais quand vous prenez des réductions de même, en somme, le salaire des employés d'une ville comme Saint-Hyacinthe, c'est dépensé de tous les semaines. Hein? Alors, ça fait 350 000 piastres dans l'économie de la ville de Saint-Hyacinthe qui n'est pas dépensée d'une semaine. C'est définitif, ça. Moi, me semble, j'ai pas peur. Je me semble, c'est que ça va faire un temps, mais après, peut-être l'année 69 perdue, mais après, en 70, ça peut pas. Je sais pas. Maudit. Le problème, c'est le commerce international. Il faut vendre notre blé, il faut vendre notre minerai de fer. Le gouvernement, par exemple, a passé des contrats, je crois, avec du charbon dans l'Ouest. C'est les plus gros contrats qu'ils ont jamais passé avec le Japon. Hein? Puis, comme je vous disais tout à l'heure, les produits textiles, c'est tellement l'affaire la plus facile à produire au point de vue de chemise ou de pyjama, que n'importe quelle femme, ils vont lui donner une machine à coudre, elle va être capable de faire ça, ça prend pas de spécialisation. Alors, c'est pour ça que ces pays-là se sont lancés dans ces produits-là. Regarde le catalogue de Simpson, il y a une maudite belle part, mon gars, tout en couleur, là, une chemise blanche. 4 chemises blanches en permapresse pour 13 piastres. Je regarde dans le label de Made in Hong Kong. Je ne cache pas, c'est marqué Made in Hong Kong. La chemise de 13 piastres, mon gars, ça doit bien la chemise. Ça a une boîte de chemise qui a 13 piastres, à faire ma presse, tout ça. Pas pire, c'est moi qui sais. On dit qu'il y a une même, il y a une manufacture là-bas. Moi, là, je ne sais pas, c'est pas confirmé. Mais enfin, on l'attendait. Ça se pourrait que ça serait vrai, cette chose-là. Hein? Qu'il faut fabriquer tout là-bas. Parce que là-bas, on travaille pour une bolle de riz, mais nous autres, les Canadiens, hein, on ne se contente pas de ça. Hein? C'est une industrie. Enfin, on a de la fierté. Il y a terriblement du monde dans la province de Québec. Il faut la sauver, ça veut sauver, puis c'est tout des gens du petit peuple, comme on dit. Mais, si ça, ces manufactures-là arrêtent toutes, ben, c'est le chômage pour tous ces gens-là. On s'empêche des gars de l'Ouest qui vendent du boisseau de blé au million. Ben. C'est tous des gens qui vont passer l'hiver à Guadeloupe, puis au Mexique, puis à Acapulco, puis ailleurs. Nous autres, on y va pas, on va à Montréal, puis ça force. Cette année, on fait la chemise barrée avec la cravate sans la pomme. Oui, mais avez-vous lu ça sur le devoir, ce qu'il parlait au sujet du Japon, c'était bon cet article-là. Il disait, hein, que c'était un peuple indomptable, fanatique, qui eux autres avaient dans l'idée, là, de reconquérir ce qu'ils avaient perdu. Ils veulent devenir une grande puissance, puis ils ont le moyen, ben, là. Ça, là voilà bien. Pourquoi ça ne fait rien de travailler pour rien, hein. Quand vous avez une industrie établie comme le textile, il y a des groupes de pression. Des groupes de pression patronaux et des groupes de pression syndicaux qui sont foncièrement conservateurs. Tant les syndicats que les patrons sont conservateurs, veulent que ça dure. Et là, ces deux groupes qui sont des groupes producteurs, tant les travailleurs que les propriétaires d'usines sont des producteurs, voudraient que le gouvernement
taxe les consommateurs pour subventionner les producteurs dans un secteur donné. Et ça, c'est un coût énorme au Canada. C'est un coût, ça représente peut-être un milliard par année, pas seulement dans l'industrie du textile, évidemment, mais dans tous les secteurs manufacturiers. Ce qu'ils réclament habituellement, c'est des subventions déguisées, c'est-à-dire, en gros, la protection douanière. Ça peut être des tarifs, mais ça peut être aussi des accords de contingentement. Un accord de contingentement, c'est une entente qui est conclue, très souvent une entente pas tellement officielle, entre le gouvernement du Canada, par exemple, et le gouvernement de Singapour, de Hong Kong, en vertu duquel ce gouvernement étranger accepte de ne pas exporter au Canada plus de textiles que, disons, 50 millions par année. Alors, à l'heure actuelle, on en a 20. Non seulement on a des tarifs très élevés sur les produits du textile, mais on a 20 accords de contingentement avec des pays comme ça. Des pays qui ont besoin d'exporter pour vivre. Des pays sous-développés, pour la plupart. On serait beaucoup rassurés si on disait, demain matin, il n'y a plus une seule sandale japonaise qui entre au Canada, puis plus une seule chaussure italienne. Et alors là, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait comme phénomène quantité de fabricants qui se lanceraient dans cette fabrication-là et puis qui engloutiraient beaucoup d'argent pour se rendre compte à la fin que vendre ça à 98 sous, ça n'a pas de bon sens. Il faut vendre 2,25 $, là, les gens n'achèteraient plus. Enfin, je dis ce genre de choses-là. On se plaint des importations japonaises. On trouve toutes sortes de trucs aujourd'hui pour être capable de faire rentrer dans notre pays des importations différentes. Je me rappelle à un moment donné où on avait levé les embargos sur l'équipement électronique. On nous avait prêché de buy canadien. Puis à un moment donné, on a dit c'est bien plus payant de buy japanese. Parce que les lampes japonaises revenaient, je pense, à 30 ou 40% inférieur au taux quand le gars qui venait réparer vos télévisions. Dans le textile, c'est exactement la même chose. On vous dit, regroupez les entreprises. C'est bon le regroupement des entreprises. Vous allez voir, ça va stabiliser votre emploi. Mais en même temps, ça stabilisait les gars en chômage aussi, parce que le regroupement des industries, on les stabilisait sur le trottoir. Nos gars, là, en bas, ils pensent à ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un regroupement de plusieurs entreprises, il y a eu aussi une diminution dans le nombre d'employés dans ces secteurs regroupés-là. On est soumis à des fluctuations du marché. Examinons, par exemple, les fluctuations du marché. Les premiers touchés, c'est toujours les crefins comme nous autres dans le textile et le vêtement. Avant ça, on a travaillé 8 ans là-bas, dans le bas façonné. Puis dans le bas façonné, ben, cette ligne de production-là, c'est disparu. Bas façonné, là, c'est le bas avec une cime en arrière, une couture. Alors, aujourd'hui, c'est le bas circulaire qu'ils appellent. C'est pas la même machine du tout. Alors, se chercher un emploi ailleurs après 8 ans. Tout ça pour nous autres, ça signifie, c'est drôle, et je me fais le porte-parole là, des travailleurs de la base, ça égale une diminution d'emploi. Qu'est-ce qui va arriver pour les autres? Le confrère Lacalle l'a posé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour employer les autres? Est-ce que c'est de les stabiliser sur le trottoir en ligne au centre de main-d'œuvre pour les classifier dans pour des occupations qui n'existeront plus, mais qui ont fini d'étudier pour ces classifications-là? On a vu des endroits où c'est arrivé. On a envoyé des gars à l'école pendant 2 ou 3 ans, puis au bout de 3 ans, on a dit, bien, c'est bien de valeur, mais on n'a plus de travail pour toi. Cette occupation-là, vous avez eu, par exemple, on a fait beaucoup de publicité pour les mécaniciens. Mais c'est rendu qu'aujourd'hui, on met une machine sur notre automobile, puis on nous dit, mon vieux, c'est telle affaire qui fait défaut, on va te changer de tard. Avant, il fallait qu'il passe 2-3 heures, 2-3 mécaniciens, faisait passer 2-3 spécialistes. Aujourd'hui, vous avez un paquet de mécaniciens qui servent du gaz dans une station de service. Ça n'a pas de bon sens. On parle de rationalisation, puis c'est encore des mots politiciens, ça. C'est hosting politique, là, ils servent de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on sent, nous autres, les travailleurs en bas? Qu'est-ce qu'on sent qui se fait? On fait des efforts désespérés, on bouge, on se bute, on bûche à droite puis à gauche, puis on cherche tout le temps. Puis, à la fin de l'année, ben, on dit, écoute,
On fait l'inventaire, on dit, on est-tu plus avancé un peu que l'année précédente? On essaie de se convaincre que si. Et puis nos députés nous disent, ah oui, ça va pas mal mieux. On est rendu au mois de décembre, puis là, les Japonais, là, ils viennent d'arrêter, là. Ils sont d'accord pour diminuer le quota. Au mois de janvier, mon vieux, ils ont une série de bateaux là, qui se battent pour gagner la canne au pommon d'or. Là. Puis là, mon vieux, là, tu vas voir que ça va rentrer. Ensuite de ça, on dit, les producteurs de l'Ouest, vous regardez les petits livres blancs qui nous envoient des débats des communes, là. On voit que c'est important, le secteur de l'Ouest. Parce que là, il y a beaucoup de blé à produire. C'est d'accord, ils peuvent le produire à un coût inférieur que dans l'ensemble des autres pays, on peut le produire. On a du bon terrain, on a de la bonne huile, tout ça. Mais on envoie dans les provinces atlantiques, là, ce qui n'est pas payant. Mais le blé, là, si au Biafra, ça meurt de faim, qu'il donne blé. Nos enfants, on va dire à l'école, perfectionnez-vous pour mieux produire dans le textile, imaginez-vous. Qu'est-ce qui va arriver? On a la tête un peu comme dans un sac de papier, là, puis on dit, écoutez, faites attention, pas peser trop fort dessus, vous allez vous étouffer. Dans ce temps-là, on a des politiciens qui nous disent, envoyez, messieurs, continuez de bûcher. Formez des comités tripartites qui rencontreront le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Le gouvernement provincial dit, moi, ça n'enlève pas de moi. Le gouvernement fédéral, il dit, écoutez, c'est complexe, le système économique. Je comprends, moi, je comprends pas grand-chose là-dedans. Mais c'est tellement complexe que nous autres, moi, je sais une chose, par exemple. C'est quand, à un moment donné, mon revenu ou mon TCOMP diminue chaque année, puis que mes enfants augmentent à toutes les deux ou trois ans, à ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui ne marche plus. On nous demande un effort additionnel, serrez-vous à ceinture sur les dépenses, on va augmenter vos impôts, puis en même temps, on va augmenter le salaire des députés et des politiciens pour que ça mieux nous faire croire et nous faire croire qu'ils prennent nos intérêts. D'abord, je regrette de n'avoir pu vous recevoir auparavant. Vous aviez demandé une entrevue, c'était en novembre. J'avais répondu en décembre, malheureusement, vous l'avez vu. La santé a exigé un repos que j'ai dû prendre. Elle semble beaucoup rétablie depuis. Alors, pourquoi j'ai été heureux de vous entendre pour vous rencontrer ce matin? L'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de vous signaler d'abord le nombre impressionnant de travailleurs qui, depuis quelques années, ont perdu leur emploi dans cette industrie. Le chiffre est autour de 4000 depuis deux ans pour l'ensemble du Canada, mais je crois bien qu'il y a entre 80 et 90% de ce 4000 qui réside au Québec. Si nous poussions plus loin notre examen, et si nous examinions aussi la question du textile secondaire, le vêtement, nous trouverions des chiffres encore très considérables. Quant à nous, nous considérons qu'il y a, bien sûr, une responsabilité de l'industrie, des travailleurs, mais aussi de ceux qui font la politique. Parce que si on continue à nous jouer l'Ouest contre l'Est au Canada, et puis si M. Bennett, votre collègue premier ministre, décide, lui, d'essayer d'ouvrir les portes de l'Asie, et en ouvrant les portes de l'Asie, si ça ferme les usines au Québec, vous comprendrez tout l'intérêt que vous pouvez avoir, que nous pouvons avoir tous ensemble. Maintenant, il y a des points particuliers qui sont de votre compétence et de votre juridiction, en particulier la question du recyclage de la main-d'œuvre. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, la situation est très ambiguë. Personnellement, je suis excessivement peiné et je pense que l'ensemble des citoyens aussi peut difficilement comprendre la situation parce que, comme il y a exercice de double juridiction, nous nous trouvons à payer à même nos taxes deux fois pour les mêmes services. Et ça, si ce problème-là n'est pas réglé, on ne viendra pas nous faire croire qu'il y a vraiment une rationalisation des dépenses publiques. Ça n'a pas de sens. Je peux vous dire, Monsieur le Premier ministre, que déjà, des membres de l'industrie textile, et je fais allusion aux plus importants, sont réticents à faire des investissements, non pas parce qu'ils en soi ne croient pas à l'industrie textile, mais parce que précisément ils ne savent pas qu'est-ce qui va se produire demain.
If anybody thinks they can plan us out of this, they just don't know anything about business. So we've got to have some action. If we want to maintain the present employment, if we want to take our proper share of the future employment, something has got to be done now. It won't do 5 years from now. We will not be in a position to compete, reasonably compete, in 5 years from now, if something is not done now. We've all of us got mills. We've got in Magog, we should spend $6 million in Magog over the next year to convert some of the facilities to make the new product. Very hard decision. When I know that the government in Ottawa, I believe that the government in Ottawa is getting farther away from doing something for us. Sortez le textile de Granby. Sortez le textile de Magog. Sortez le textile de Sherbrooke. Sortez le textile de Saint-Hyacinthe. Sortez le textile de Montmorency. Sortez le textile de Valleyfield. Le textile a sorti de Cornwall. Et vous pouvez vérifier sur place ce que ça a provoqué. On ne peut pas constituer indéfiniment des comités de reclassement parce que indéfiniment des compagnies ferment leurs portes, parce que indéfiniment d'autres compagnies ne viennent pas s'installer au Québec. Alors finalement, on se retrouve devant une situation absurde. Je dois vous dire qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, j'ai eu à deux reprises, j'ai été en contact avec le gouvernement fédéral. À une occasion plus particulièrement, j'ai rencontré le ministre Pepin et je ne dois vous dire que je ne suis totalement en désaccord avec lui sur le sujet du textile. J'ai fait tout mon possible pour représenter M. King et les autres et les syndicats au sujet de ce commerce. Et je dois vous dire que nous devons avoir d'autres réunions sous peu. Je suis au courant qu'on veut faire de nouveaux accords avec d'autres pays et je me suis opposé énergiquement. Il n'y a pas de semaine à ce que je n'appelle pas à Ottawa pour avoir une entrevue avec eux au sujet du textile parce que je crois que c'est un problème qui prend de l'ampleur et que nous devons régler, nous devons nous élever énergiquement contre la politique fédérale. M. Aubin, d'autant plus qu'on ne peut pas faire de personnalité, que M. Pépin vit dans un milieu où l'industrie du textile est joliment active. Il est élu. À Drummondville, joliment active, cette industrie, elle procure de l'emploi, j'ignore combien de centaines, de milliers de personnes. Le ministre de l'Industrie du Commerce, le ministre fédéral de l'Industrie du Commerce, je pense, doit être particulièrement conscient de ces problèmes. M. Pépin, c'est quand même sa région, ou très proche de sa région. À tous les jours, ou presque, il y a des groupes de personnes représentant certaines industries ou des unions ouvrières qui viennent à Ottawa pour faire des représentations sur le blé d'Inde, la farine, l'industrie aéronautique, tout ce que vous voulez. Et la solution que tout le monde adopte comme point de départ, c'est haussez-moi donc ces tarifs douaniers. C'est la première chose qui vient à l'idée de tout le monde. Alors, ce que j'ai essayé de mentionner, c'est pas très populaire comme argumentation. Ce que j'ai essayé de mentionner, c'est que si on faisait ça, ça voudrait dire qu'on construirait autour du Canada une énorme frontière, une énorme barrière, un énorme mur. Ça serait la forteresse Canada. Ça serait la forteresse Canada. Et je crois que certains, peut-être, veulent jouer les bons samaritains, pensant que le Canada est un pays riche et qu'il se doit d'aider les pays moins riches. Alors, en se faisant pour ce faire, eh bien, on fait la sourde oreille à l'industrie textile. Ensuite de ça, je crois que l'industrie textile n'a peut-être pas eu toujours ce qu'on appelle en anglais the best image. On a parlé d'une industrie sophistiquée. Je crois pouvoir dire que peut-être que l'industrie textile n'est pas une industrie aussi sophistiquée, Monsieur le Premier ministre, que l'industrie électronique, mais elle n'a qu'une très lointaine ressemblance à ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Certains secteurs de l'industrie textile, je crois, pourraient se comparer très favorablement dans le domaine de la technologie, dans la sophistication des moyens de production ou de contrôle aux industries les plus avancées. Et ce, tout en utilisant encore une main-d'œuvre pas trop éduquer, c'est pas le mot qu'il faudrait employer, mais enfin disons, pas trop avancé. Il n'est pas nécessaire d'avoir à tous les stades des ingénieurs
comme c'est le cas parfois dans des industries sophistiquées. De la production québécoise, est-ce qu'il y a beaucoup d'exportations? Do you export quite a lot, or is it only exceptional? We have a market for certain types of goods for exportation. It has been growing. Vous ne pouvez pas vous proclamer libre-échangiste, recommander le plus possible que chaque pays produise ce qu'il est particulièrement apte à produire, et puis après ça, arriver avec une liste d'exceptions s'appliquant à votre propre pays. Parce que si vous faites ça, vous vous exposez à ce que les autres fassent la même chose. Depuis quelques mois, j'ai cette occasion assez régulièrement de parler de ces questions dans d'autres pays, et chaque fois que je préconise l'ouverture de leur marché aux produits venant du Canada, eh bien, ils sont très en mesure de me montrer que dans bien des cas, notamment dans le cadre du textile, nous sommes encore plus protectionnistes que peuvent l'être. C'est clairement une responsabilité fédérale que de faire ces trucs-là, et c'est clairement une faillite fédérale, donc, que d'avoir des situations comme celle des textiles au Québec. D'abord, je voudrais que vous notiez la présence de mon collègue, le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Baudry, M. Paul, qui ce matin remplace ici M. Bellemare, parce que durant l'absence de M. Bellemare, c'est M. Paul qui s'adonne à certaines des activités que je veux bien lui laisser le bouillant et pittoresque député du comté de Champlain. M. Mas, qui de plus en plus s'occupe de la planification, en particulier d'ODEC, cette organisation qui rayonne dans le bois du fleuve, mon collègue M. Maltais, député de Limoilou. Donc, j'ai écouté vos propos, et ça m'a rappelé des souvenirs. Même si on n'a pas le temps d'écrire ses mémoires, on peut toujours voir qu'est-ce qui servira les écrits. Le 3 décembre 1953. Député à l'Assemblée législative, député du comté de Missisquoi, dans lequel comté nous avons quelques usines textiles, en particulier Brock Mills, et on ne m'en voudra pas de saluer la présence de mes compatriotes de langue anglaise, Gerald Brock, from Caronville, whom I know since many years. Alors, j'avais proposé au Parlement de Québec la motion suivante. Ça ressemble étrangement aux problèmes auxquels vous devez encore faire face. Attendu que l'industrie généralement connue sous le nom de l'industrie du textile et qui comporte de multiples activités industrielles, remplit un rôle important dans l'économie de la province et procure normalement de l'ouvrage, à ce moment-là, à plus de 50 000 employés. Attendu qu'il existe dans la province de Québec plus de 350 poulains, aux manufactures qui se rattachent à la dite industrie du textile et qui sont localisées dans différentes régions de la province, et je récitais un peu certains des propos que vous venez de reprendre, mais qui sont toujours vrais, et nous demandions qu'un ordre de cette Chambre prie respectueusement les autorités fédérales d'adopter avec diligence les moyens appropriés et justes pour mettre fin à cette concurrence indésirable des 10 produits étrangers sur le marché, à ce moment-là on se limitait, de la province, et qu'ordre soit donné au greffier de transmettre au premier ministre du Canada, le très honorable Louis Saint-Laurent, une copie de la présente résolution. C'est en 1953. Vous savez que depuis quelques années, les gouvernements, quels qu'ils soient, ont pris l'habitude de s'atteler aux choses urgentes, parce qu'il y en a tellement. C'est une grève des enseignants, c'est une grève des hôpitaux, c'est les finances qui sont... les dépenses augmentent 18 % par année, puis les revenus, croissance naturelle, 8 % Alors, les gouvernements, puis la crise de l'éducation, il y a deux crises par année dans l'éducation, puis sont plus sérieuses à mesure qu'on avance. Alors, les gouvernements n'ont peut-être pas le temps de faire tellement de planification à long terme, comme tel. Moi, tout dépend des gouvernements, mais dire, on peut comprendre celui qui existe actuellement de s'atteler aux problèmes immédiats.
comptez sur nous. Nous ferons de notre mieux pour vous aider, car nous réalisons. Il y a des gens qui le réalisent, c'est bien nous qui sommes à l'heure actuelle au timon des affaires. Mon collègue, le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui s'acharne avec patience, avec persévérance, avec ténacité, à promouvoir l'établissement de nouvelles industries au Québec, qui ne fait peut-être pas beaucoup de bruit, mais on dit souvent que le bruit ne fait pas toujours de bien, et le bien ne fait pas toujours du bruit. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de votre accueil si chaleureux, et je suis sûr que les membres du comité syndical national de l'industrie canadienne du textile ont été très heureux de vous rencontrer, et vous pouvez compter sur nous pour travailler au progrès de la province de Québec, et puis nous comptons sur vous aussi. Merci. Merci, M. le Président. Au revoir, messieurs, et bonne chance. Attention! Monsieur, s'il vous plaît. Pardon, madame. La Gauport, ça a dû mener un peu. Pas au relais, à l'autre là. 5 heures. Oui, moi, Ardan, je vais aller au bonjour, docteur. D'avoir un tel vote, 2000 la majorité, on voit les...
vivre un peu de mine plus que l'autre. Avec plaisir. Je peux pas sourire. Mon cher. Non. Moi, je ne suis pas Mme Bertrand. Ah non, ça, ben, non. Pourquoi tu ne rentres pas? Tu vas voir Mme Bertrand. Non, non, mais il y a quelqu'un qui me cherchait tout à l'heure, une grande dame en robe rouge. Peut-être qu'elle voulait me donner, mais je t'assure. Parce qu'on m'a dit, voulez-vous demander Mlle Demers, l'attachée de presse de Mme Bertrand, qui m'a dit que j'étais invitée à cette réception-là. Est-ce qu'elle est là? Oui? Oui, il est là, on a 400 000 de cours. 400 000, ouais. Mon comté, Saguenay. On peut te rentrer, non? Monsieur? Oui. Vous ne pouvez pas rentrer. Comment? Pourquoi? Rien? Pourquoi? Non, pourquoi? Est-ce que vous avez une passe? Est-ce qu'on peut être les journalistes? Est-ce que vous avez une passe? Il n'y a pas de passe alors. C'est moi, ceux qui ont des passes, je peux rentrer. Les journalistes, on peut y aller? Les journalistes, ceux qui ont des passes. C'est galerie de la presse du Parlement. Tout ça. Favorisé que ceux qui sont coureurs. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on a la cote du coureur. C'est quoi les nouveautés? Donc, la cour française n'a pas eu chance de travailler. Oui, c'est un privilégié. Si tu n'as pas d'argent, là, ce point de vue-là, tu n'es pas libre, d'accord? Mais tu dis, par exemple, je ne sais pas, moi, je ne peux pas faire mon voyage et je vais faire autre chose à la place. Tu vas faire autre chose, tu es libre de faire autre chose. Aujourd'hui pour demain, qu'il me tombe 1 million dans les mains, moi. Si je dépense ce million-là en voyager, qui peut m'en empêcher? C'est à moi l'argent. Je suis libre d'en faire ce que je veux. Tout de même, je me débrouille si on crève pas. Puis moi, je pense que vraiment, là, je suis chanceux. C'est le loyer là, que je paye ici. Je tente de m'imaginer, là, si j'avais à payer, là, 80 ou 90 piastres de loyer. Puis, on est vraiment bien organisé. Moi, en tout cas, je trouve qu'on est bien organisé. Les enfants, on a une cour, puis on a le sous-sol ici, que les enfants peuvent s'amuser. Puis, je trouve qu'on s'arrange mieux. Je me verrais pas avec des millions en banque, moi, sans savoir quoi en faire. D'un côté, je saurais quoi en faire, parce que quand même, je me permettrais un certain luxe, mais j'aurais pas le plaisir que j'ai aujourd'hui. D'accord, tu vas dire, c'est de la misère. Tu travailles comme une folle pour gagner, arriver à te payer un manteau, quoi, ou un meuble dans la maison. Mais j'ai quand même le plaisir de me dire, je l'ai gagné, ce meuble-là, je l'ai... C'est moi qui ça vient de moi. C'est pas un autre qui me l'a payé, j'ai pas fait cet argent-là avec un autre, en essayant d'abaisser quelqu'un. C'est une satisfaction qu'on a quand même d'être pauvre. Moi, je prétends qu'ils sont pas si mal. Ils vivent tout. Hein? Vous dire qu'aujourd'hui, j'aime pas mon travail? Non, j'aime mon travail, je pense. Et après un certain temps, on s'adapte un peu aux rues. J'ai eu affaire à des bons contremaîtres. Évidemment, pour le prix qu'ils payaient, demain, le textile. Mais dans la région, c'était un bon salaire. C'était considéré comme un salaire dans la moyenne, quoi. Oh, j'aime quelqu'un, moi, qui a de la vie, qui a de l'optimisme. Qui voit pas seulement le côté noir de la vie, qui voit un peu le bon côté de la vie.
On a tout donné ce qu'on avait, tu sais, dans... Tout ce qu'on pouvait les donner, on les a donnés. Une bonne Saint-Bière à mort, qu'on voit. Moi, Romain Deschopes, elle a continué, ça fait 33 ans que je travaille là, puis comment qu'elle a continué jusqu'à temps qu'elle ait 65 ans, elle a resté sur la job. Oh. Elle aime ma job. Oh. Puis.